Bonjour à tous. Générique, mon gars. Générique, brrra. On a pris en pleine gueule. Ah ouais, j'ai à peine eu le temps d'arriver. Les médicaments génériques. Hein. La famille, voilà, on est en famille. On est réunis en famille ici. C'est juste un putain de nom. C'est ça. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est signifie ça veut dire qu'on était non c'est ça veut dire qu'on était quoi qu'on jouait du piano debout. Oh mon Dieu. Qu'on jouait du piano debout, exactement. Putain, mais le trailer de Mafia, c'est tellement la hype, mon Dieu. Non, en fait, je pense qu'on va faire plusieurs coupures pub à fond. Mais faut le remixer là quand il met la patate là. Hein? Non, je sais pas. Remixer la patate. Bah oui, normalement c'est ça la base. Donc, l'émission est préparée. Alors je mets au défi déjà de croire que cette émission est schnapps. Cette émission n'est pas schnapps parce que j'ai passé toute ma semaine, moi, à la préparer. Ta semaine, toi ? Ouais. C'est un peu ton émission. C'est ton émission, mais que j'ai préparée. Ah, voilà. C'est ton émission, mais c'est moi qui l'ai préparée. Tu fais ce que tu veux maintenant avec ça. La merde. Tu te débrouilles. Le but de l'émission, ça va être de gagner tous tes défis sur une série de jeux un peu rétro choisis par le public et par toi. T'as choisi quand même tes jeux, hein. J'ai un petit peu, mais c'est pas de ma faute si j'ai les meilleurs goûts, hein, en toute modestie. Tu veux juste mettre la garde pour pas te faire snapser. Mais non, c'est pas ça. Regarde, il y a Arimada. Est-ce que c'est pas le jeu le plus random de l'histoire? Arimada, c'est random, mais à la manette PS4, à mon avis, ça va être très difficile. Sur ces défis, mon cher Karaté, il y aura des cadeaux à gagner pour les viewers. Ah oui. C'est pour ça que je suis là. Oui. Notamment, regarde ça. Pas regarde des jeux Xbox One. Le cadeau à gagner. Non. Cette petite avalée. Mais elle va jamais partir d'ici. Je m'en doutais. Jamais tu fais gagner ça. Là, mais t'es ouf ou quoi? Mais jamais tu fais gagner L'ami ça. Boire mais aller. Non, bien sûr. Il y a 4 Woodbox à gagner pour l'émission d'aujourd'hui. Je crois que c'est mon petit frère qui va la gagner. Celle-là, je l'ai. Qui va me la donner. Mais non. Après. Mais tonton, écoute, c'est là, je l'ai ramené pour toi en fait. Ça va être ta mascotte toute la semaine. C'est vrai ? Oui ! C'est pour moi ? Oui ! Tu sais qu'on a bataillé, dur pour la récupérer. Hein. Personne n'en voulait. Ah bon ? Ouais. Ils savaient même pas ce que je suis... c'était. Non, c'est ça, je suis allé voir les mecs de Woodbox, ils m'ont fait. Attends, ils m'ont sorti un carton. Et ils m'ont fait tiens, prends ce que tu veux en cadeau et tout. Et j'ai vu ça, j'ai fait oh, trop bien, je peux la prendre. Il faut. Ouais, je sais pas qui c'est. Normalement, c'est licenciement direct. Ah bah. Direct. J'en parlerai à cirer. Hein. Ils ont rien à cirer du ciment. Bah oui. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va gagner les cadeaux et comment est-ce qu'on va faire gagner les cadeaux et des défis dans cette émission ? Il y a donc 4 Woodbox à gagner. Donc, sur 4 défis, vous allez envoyer sur le hashtag Woot3, hein, comme d'hab, vu que c'est des Woodbox à gagner. Et vous allez choisir un hashtag soit Team Verdier, Team Karaté. Donc, en gros, ceux qui ont fait le bon pronostic vont gagner une Woodbox. Et il y en a 4 à gagner, donc vous choisissez sur quel défi vous faites gagner une box. Et les gens devront faire un tweet avec. En gros, un pronostic. Ça veut savoir si ça gagne ou ça perd. Hashtag Team Karaté ou hashtag Team Verdier. Voilà, ceux qui auront bien choisi leur team à chacun des défis gagneront une Woodbox. D'accord. Donc il y a combien de défis pour aujourd'hui ? La Woodbox. Alors mais toi tu m'as dit 4. Alors normalement j'avais prévu de faire gagner que sur le match de foot, mais si tu veux faire 4, on essaye d'en faire 4. Bah moi j'ai prévu 4 cadeaux pour votre émission, donc vous les écoulez comme vous voulez. 4 cadeaux pour aujourd'hui ou pour la semaine ? Seulement pour aujourd'hui. Ouah, mais c'est la fête. Bah oui, c'est la fête. Mais ça, je garde, on est d'accord. Ça, oui, ça, je l'ai ramené pour toi, oui. C'est un peu le salaire de la semaine. C'est un peu ça. C'est ça. Petit enfant. Voilà, c'est vrai qu'elle est trop stylée, hein, quand même. Je savais qu'il n'y avait plus d'argent cool. Dans les caisses de Webedia. C'est un short donc, ou pas, alors, du coup ? Ah, mais ça, c'est un short, salopette. Mais tu sais que j'en cherche un, moi. Un short, salopette ? Bah oui. À ta taille ? Ah, j'en cherche un à ma taille, mais ça... Si vous avez un short, salopette... À mais tu sais qu'il Karaté. A ça, Adèle du Versus Dojo qu'on ah, salue. Ah, c'est vrai, oui, c'est bah, vrai. Oui, ça. Bah oui, il joue Alex. Oh là il joue là. Alex et la salopette. Putain, c'est trop stylé. Street Fighter First Strike. C'est violent. L'un des pires jeux où on rappelle quand même, et c'est important, que Zouzou a perdu contre Nathan au Stade Est. On ne sait même pas. À ceux qui savent. Ça sort les dossiers. Mais on ne sait pas de quoi je parle. Mais ceux qui savent,
ils prennent un petit sourire un petit fou là. T'es vraiment trop con. Bon, on choisit le premier jeu, Janken, c'est toi ou c'est moi qui choisis le premier jeu, d'accord? Choisis ton quoi, genre, prends, ah, genre tu veux faire un Janken? Ouais, on fait un Janken, on fait un d'accord. Janken. On fait un Janken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, j'ai gagné. Non, bah non, t'as perdu, t'as j'ai pas fait le droit. Non, Janken Pon, y'a pas de puits. Mais j'en sais rien, moi. Y'a pas de puits. Mais le DLC puits est autorisé. Y'a pas de puits, c'est moi qui choisis avant. Le premier jeu. Faut le préciser avant. Ah non, mais y'a pas de puits, y'a pas de DLC puits. T'essayes de baiser tout le monde avec lui. J'ai fait la pierre exprès pour te baiser la gueule. Verdier, tu as dit quoi en introduction? J'ai dit que... C'était mon émission. Ah, donc c'est mon Janken, donc il y a le puits. Vas-y, mais choisis mais ton je laisse chien. La main, choisis je te laisse choisir. Choisis ton jeu de chien, vas-y. Non, je te laisse choisir, je laisse la main. Je choisis de ne pas choisir. Eh ben, ce sera Ball Jack. Qui veut juste casser les bonbons pour rien. Kega Fusion ou... Kega Fusion. Normalement, Kega tout Fusion. Est setup pour Kega Fusion. Après, ça ne va pas fonctionner, évidemment. Oui. Car si ça fonctionne... Non, si ça fonctionne, car Verdier. Si ça fonctionne, ça ne sera pas bon. C'est quand même moi qui ai préparé. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est Ball Jack? C'est pas la chanson, là. It's the Ball Jack. I never does the press. The Ball Jack. Eh bien non, c'est pas du tout ça. D'accord. Ball Jack, c'est un jeu de crabe cybernétique, un mélange entre Pong et Windjammer, c'est un peu. Et quand t'as dit ça, t'as tout dit. Le jeu parlera de lui-même, tu vois. C'est comme Pong, mais avec des crabes qui envoient des pinces, comme ça. Tu vois, c'est un peu comme t'as dû déjà jouer, je pense. Il y a le jeu là sur Neo Geo, là, Battle Flip Shot, non, c'est un peu ça. Ouais, et ça sera demain, je crois, qu'on jouera, peut-être à ce jeu-là, Battle D'accord. Flip Shot. Eh ben, ça ressemble à Battle Flip Shot. Okay, okay. Ça ressemble un peu à Battle Flip Shot. Battle Flip Shot, le jeu, il coûtait 20 millions, j'ai jamais compris pourquoi. Tu sais, sur la cartouche MVS. Ah ouais? Ah ouais, c'est un jeu... Le jeu, il est zéro, hein. Non, il est pas zéro. Ah, il est zéro. Attends, il y a un mec avec une zéro. Afro dedans. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et il y a une indienne. Oui. Il y a une toi, tu joues les indiens, c'est vrai. Une indienne. Ah, tu m'étonnes, une indienne. Ça n'arrive que trop peu souvent. Donc, normalement, on fait FT3, d'accord? Ouais. Sur celui qui gagne. Donc, c'est genre, tu prends, tu dois savoir comment jouer tout ça. Hein. Ah bon? À râler ou pas, hein. Ça va aller, hein. Ouais. Ça a râlé? On va ça râler. Ça a râlé, d'accord. Tu vas savoir râler. Ça va râler. C'est parti. Donc tu vas très vite comprendre, c'est très très simple. Wow. T'as une balls, t'as des balls qui passent derrière toi. Le but c'est de capturer le maximum de balls qui passent derrière l'adversaire. Voilà, en lançant les pinces, tu vois. Ah là je lance les pinces. Ah, je peux la récupérer. Oui, il y a des contre. De tes mains. Bien sûr, il y a des contre Kems, c'est oh, ça. Ouais. Donc t'as un bouton qui permet de gérer une pince. Mais elle le donne ici là. Et l'autre bouton qui permet de gérer l'autre pince. Ah mais j'ai pas compris les boutons verts. Non, il y a deux boutons. Il y a un bouton 1, bouton 2. Le bouton 3 te remet ouais. Au bouton. Mais c'est une baiserie. Là, normalement, tu dois me récupérer. Faut rester appuyé. Tu dois me récupérer des d'accord. Balles. Voilà. Là, faut tu... rester appuyé. Donc, dès que j'ai les 4 balles de mon côté. D'accord. Faut... Ça, tu vois, tu n'as pas précisé. Comment ça? Qu'il fallait rester appuyé? Oui. Ah, voilà. Je t'ai bien baisé la gueule. Bah, pourquoi t'avais pas alors, les 4 en fait, balles? Non, j'ai pas les 4 balles, mais par contre, quand. Quand je te mets la balle dans la gueule, tu vois, je te fais des dégâts. Et t'as vu, mon crabe, au fur et à mesure, il se désingue. Donc, en fait, tu récupères les balles. Soit t'envoies la balle dans la gueule du mec, ouais. Et là ça lui détruit un peu de partie d'armure, et une fois qu'il ouais. A tout pu ses parties d'armure, il est baisé. Ouais. Soit tu récupères les 4 balles de ton côté et tu fais ouais. Tomber le chrono de 6 secondes. Ouais, on sent que c'est mon émission quand même. C'est ton émission. C'est les gens ils ont choisi, mais c'est vrai que j'ai déjà joué au jeu. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bah déjà tu savais qu'il fallait rester. Tiens, regarde, tu vois, t'as vu, je ah peux oui, te baiser d'accord. La gueule, t'as vu. Bon, oh, on va dire c'est oh, la... j'ai perdu une. On ah, va non. Dire c'est la partie de chauffe. D'accord, ok. Si tu veux. Histoire okay. Que tu puisses comprendre un peu le principe de ton émission. Mais j'avais pas compris que en fait. Ouais, t'es en train de me baiser la gueule. Il fallait rester appuyé. Ah, purée de chiasse, rends la baballe. Je l'ai. Oh le mec. Je l'ai. Tiens, Jean-Pierre Jeunet. Ah, et oh. t'as un petit jeu d'esquive qui est pas désagréable, hein, par contre. Ah là là, mais les dégâts. Je suis les désolé. Les dégâts des os. C'est 5 hits, hein, de toute façon, la mort. Oh là là. Et là, tu, ah. Tu bourres. Tu vois, là, une fois que j'ai les 4 balles, ton chrono de 6 secondes tombe. Tiens. Et là, je suis baisé. Donc là, je. Et là, c'est à toi de tout récupérer, ouais. Ah, d'accord, ok. Et là, je redispatch. Ah oui, patron. Hop. Revenez ici, monsieur. Revenez ici. Hop. Hey.
Ah, mais pourquoi dès que t'es touché, ça cancelle ta pince, évidemment. Ah, mais bah, il faut le dire, ah, bah, mais évidemment, ah, explique la moitié. C'est le jeu du versus fighting. La moitié des mots. Saloperie, va. C'est le jeu du versus, mon gars. Ah, d'accord, ok. Eugène Krabs, mais toi, t'as Eugène Krabs aussi. Mais j'ai Eugène rien du tout. Bah, si, t'as Eugène Krabs, c'est le gothier du jeu. Comment c'est ça cramé. Le Capitaine Krabs? Non, Eugène Krabs. C'est qui Eugène? Bah celui-là qui fait les pâtés de Krabs. Les pâtés de Krabs? Oh là là, mais Verdier, bordel. Mais Bob l'éponge, il s'appelle pas... Mais c'est le Capitaine Krabs, non? Oh là là. C'est pas l'apéro du Capitaine? L'apéro du Capitaine. Qu'est-ce qu'il a mis? C'est le giron du restaurant. L'âge du Capitaine. Non, non, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Je le récupère. Non. Putain, je suis tellement baisé. Faut de France, faut de France, faut de France. Faut de France qu'il a. Oui, ça y est, oh là là, j'ai récupéré, j'ai récupéré, j'ai récupéré. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Voilà, Vanessa Paradis. Faut tellement faire attention, voilà, je t'ai baisé. Oh là là, mais pourquoi? Je t'ai baisé, je t'ai baisé, je t'ai baisé, je t'ai baisé, je t'ai baisé. Ta 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 ta. Non, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Oh la baise. Meilleur jeu de l'univers. Mais pourquoi ils ont pas fait qu'il y a que 3 balles à récupérer? Je vais en récupérer 3 toute ma vie. Mais parce qu'il faut que tu l'utilises pour me signed. Essaye de me signed. Troisième round. Putain, le sale jeu. Troisième round. Non, mais t'as compris, là, c'est bon. Ça y est, t'es au même niveau que moi. J'ai fait une partie dans toute ma vie. Arrête, c'est bon. Ah là là, Verdier. Non, mais toi, t'es professeur d'arithmétique. Mais qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que l'arithmétique... C'est toi qui as le rythme dans la peau, normalement. C'est toi qui zouk. Tiens, zouk. On va zouker. Oh là là. Ah mais tu prends trop de risques aussi à chaque fois que je récupère les balles. Mais ferme-la donc ta grande gueule, Verdier. Mais pourquoi là il arrange pas la bille? J'essaie de t'aider. Mais pourquoi tu l'as lâché? Pourquoi tu l'as lâché? Parce qu'il l'arrangeait pas. Il l'arrangeait pas, regarde, regarde, il l'arrange pas. Mais parce que tu ne laisses pas venir. Mais si. T'appuies toujours sur les boutons toi. Oh là là. T'as vu, t'as un endroit où t'es safe ici. Oh là là. Regarde, t'as vu, je suis safe. Non, je récupère ça en contre, en contre, en contre, en contre. En contre Kems. Tiens, aïe, sale touché. Bâtard, va. Va. C'est pas bien ce que tu fais, tu sais. C'est pas bien ce que tu fais. Je whiff. Là, je t'ai passé 3 secondes derrière et j'ai jamais réussi à toucher une seule balls de Jack. Voilà, tiens, sale bâtard. Tu vas voir les balls de qui tu as touché, toi. Attends, attends. Fais pas le zoom là. Tiens, et tu lâches. Ah, là, je me suis fait très mal en revanche. Bah oui. Oh, putain, tiens, je t'ai baisé. Putain. Récupération ninja. Ah oui, j'ai tout. C'est ah oui, j'ai tout. Poil, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Tiens, Martin de Jetou. Ah, tu connais pas Martin de Jetou. Compte, mon gars. 2 secondes, il te reste 2 secondes, il te reste 1 seconde. Il te reste plus de secondes. Putain, le sale jeu, j'ai envie de tout baiser. Ton seul jeu de chat. On arrête tout de suite cette émission. On va se régler dans la street direct. C'est ton émission. Putain. Et je t'ai baisé au premier jeu. Bah oui, mais je t'ai laissé choisir. Donc, bah oui, mais en même temps, c'est ton émission. Donc tous ceux qui ont choisi, je suis en train de regarder. Hein, hashtag Team Verdier. 3-0. Hein. Retenez bien. Hashtag Team Verdier pour le premier défi. Donc. Ah non, c'est fini là. Ah bah, je t'ai baisé, je t'ai baisé. Fini. Bah mais, je t'ai mis 3-0. Attends, mais la méta du jeu fait. Bah les enfants, calmez-vous s'il vous plaît. Bon. Il m'a baisé mon son. Il m'a baisé mon son. Non, il va se dégouaquer. Non, mais c'est bien, elle est anti-stress en fait. Arrêt anti-stress. Ouais, elle est... C'est pas grave tonton, c'est pas grave. Ça arrive même au meilleur, hein, tu sais. Ouais. Non, t'as le perso, allez, je te laisse une chance de te rattraper. Il y a bien un jeu où tu ne peux pas perdre dans cette liste. Ah bon? Réfléchis. Moi, donc on a A, Harry Manada, ouais. Bojack, donc Bojack c'est fait. Fighting Masters, G-League Pro Striker Final Shot. Après ça dépend comment tu as configuré le jeu de foot. Le jeu de foot est imbloquable. Non, c'est toujours pareil. A, B, C, toujours pareil. D'accord. Micro Machine 96, la dernière version Mega Drive. Ah oh, non, est-ce que c'est le stage où il y a l'éponge? Parce que c'est le stage de l'Evo. Le Captain Krabs. Non, Micro Machine, le stage de l'Evo. C'est. Moi, j'ai pris un Micro Machine. Ferry Fiasco. J'ai pris un Micro Machine que je ne connaissais pas pour que ce soit équitable. Ah, le commerce équitable, tu sais bien que c'est le plus grand mytho c'est de l'histoire. C'est toi qui choisis. C'est comme les biscuits Augustin et je sais pas qui, là. C'est une banane. Putain. C'est toi qui choisis. Moi, j'ai 1-0, j'ai le droit de perdre. Ah, je dois choisir, là? Bah oui, c'est à ton tour. Choisis le jeu, sachant que le jeu de foot est imbloquable.
Oh là 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 là. Mais on doit faire combien de jeux? On choisit juste l'ordre. Ouais, c'est exactement ça. Mais on va tous les faire. Non, on n'est pas obligé de tous les faire, peut-être. Il y a 5 jeux en tout, on peut faire ce que tu veux. En attendant, il y a des filles. J'ai besoin de me défouler. Donc je vais choisir Arimanado Japan. Alors là, mon gars, ce jeu, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, j'ai besoin de me défouler. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce qui va arriver. Tout peut arriver. Voilà. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ça va être sale, hein. Ça va être très très sale. Le pied. Le pied. Le pied bien gras. Oh, il a combien de doigts de pied? 6. Oh là là, mais regarde-moi c'est ce vrai pied. Que ça a l'air d'avoir 6, hop ouais. Là. Le pied bien gras. Hey. Oh, il est trop stylé. Tape le Kitawa. Oh, bien joué. Ah, c'est un jeu avec que des Honda en fait. Bien c'est sûr. Que des versus Honda. Kaisa Dayasu, Rest in Peace, Kodasha TV Tokyo. Un jeu vidéo. Et programme d'ordinateur. C'est donc, vrai. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de chasse? Eh bien, c'est un jeu de sumo adapté du manga du même nom. Il y a un manja. Il y a un manja à Arimanada. Et le jeu, visiblement, il y a des coups spéciaux, des trucs trop stylés, mais on sait pas les faire. Donc, c'est n'importe quoi, le jeu. C'est proche du n'importe quoi. Oh là, bien joué, le lariat. Il a l'air trop fort, le perso. Deux frames, hein, ça punit tout. C'est violent. Joe Quick. DVD champion sur ce jeu, il le paraît. Public est en liesse. C'est vrai que c'est un peu le jeu de DVD, Micross, Conquster et Kitano. Donc, tous les joueurs de Honda. Et comment il s'appelle le mec qui joue à 2X, là? Tu sais, qui joue Honda. Kusumondo? Non, le français, là. Pierre Gatt? Milanea, voilà, c'est ça. Donc, petite attaque sur A, grosse attaque sur B et la chope sur C, d'accord? D'accord, voilà. A, B, C, donc, normalement, il n'y a pas d'embrouille. On passe en mode de joueur. Je joue contre toi parce que je suis gentil. Et là, direct, il y a embrouille. Ah, tout se passe... Parce que là, la caractère sélectrice, si tu veux, fait la différence entre un sumo et un sumo. Je sais que j'avais trouvé mon main. Oh là là, mais que des gueules d'amour, hein. Je crois que c'est mon main, lui. Ah ouais? Ah mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit... Je crois que je jouais la dentine, moi. Regarde, il y a une petite dentine, là. La dentine, là, c'est toujours ça. Bon, on fait en 3, évidemment, avec une torpille autorisée. En 15, on le fait. On fait en 3. C'est tous les mêmes. Moi, je t'insulte, là, en revanche. Ah bon? Ah, ça, c'est pas sympa. Hein, ok. Kusumondo en 2. J'ai retourné la situation. Oh putain, j'ai sauté quand j'ai fait... du feu. Eh oh non, on va pas là-bas. C'était pas possible, on pouvait pas sauter avant. Non. Oh là là, j'ai les... J'appuie sur pause. Oh, il appuie sur pause. La pause est éliminatrice, hein, normalement. Pause buffering. Tchac. Mais non, mais saute pas. Putain, j'ai plus de doigts déjà. Saute. Ah voilà, ça y est, j'ai sauté. Oh là là, entière, s'il te plaît. Mais non, l'entière. Petite patate, petit... Le petit Grégory. Oh putain. Mais non. Ah, tu prends tous les doscoïs de l'histoire là. Hop. Baise-le. Tu peux le baiser. Putain, j'ai les doigts en fusion. Oh là là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai fait ça. Voilà. Le Bakubuleka. Putain, j'ai plus de doigts, ça rase. Alors, je vous rappelle que sur ce deuxième jeu, vous devez refaire un pronostic Team Verdi ou Team Karaté pour gagner une autre Woodbox. Il y en a 4 à gagner en tout. Putain, j'ai plus de doigts. C'est bon, tu prends un Mokubinisme. Ah, mais j'ai des cloques. En cloque, mode d'emploi. Putain, mais... Ouah, mais pourquoi? Mais parce que, Verdi, t'as pas le niveau, t'as pas la carrure. T'as pas les épaules, mon gars. Oh là là, je tente le lot. Oh, c'est quoi cette stance que j'ai là? Oh, j'ai bloqué le lot. Oh, ce lot. Hop. Allez. Allez, tu mon sac à patates, mon gars. Oh là là, mais Verdier. Ah, t'es tellement fort d'un point de vue shop, je sais pas mais comment Verdier, tu fais. Verdier, t'es zéro. T'es zéro, bordel. Putain. J'ai plus de doigts. Putain, j'ai les pouces avec déjà des ampoules. Il y a pas de la glace là pour que je trempe ma main. J'avais pas mon perso Counterpick.
Ah, putain. J'ai tellement plus de mains. Ah putain. C'est en 3 encore. Je counterpick Susano. Susano. C'est en 3 encore. Ah. C'est en 3, c'est en 3, c'est en 3 là. C'est 1-0. Oh non, on peut pas dire que c'est fini. Non. 1-0. C'est pas mon émission. Moi je propose, est-ce que le chat est d'accord? Merde, mon ami. Putain, j'ai... Ça va être dur de jouer au jeu de foot après. Hein. Ah, je me suis baisé la main. Moi, j'ai des ampoules au doigt. Oh, bien vu. C'est parti. Kazakh verte. Le Kazakhstan. Putain, mais il y a forcément un moyen de faire des coups spéciaux dans ce jeu de chia, c'est pas possible. Oh là là, mais j'ai tellement fusionné avec mon sopère, mon gars. Chope-le, mais putain. Mais chope-le. Oh, oh, mais bordel, body. Pourquoi c'est moi qui me fais choper à chaque fois? Parce que c'est punition, ça. T'as pas lu la frame data ou quoi? Hop, hop. Putain, mais j'arrête pas de sauter maintenant. Je sais même pas comment je fais. C'est mon kit chop. Allez, putain, ça me dégage. Allez, ça me dégage. Ça me dégage. Ça me dégage. Je voudrais savoir. La dentine, la mais dentine. Ils ont rien montré en fait. Ils ont rien montré. À la régie, ils ont rien montré du match. Il y avait le meilleur match de l'univers, ils ont rien montré. Bah oui, bah ça c'est quand je gagne, mais tout ça c'est. Non, la régie. Personne t'a vu gagner. La régie, vous m'entendez? Oui. On voit que notre gueule là, on voit pas le jeu. Oui, d'accord, très bien. Ils sont conscients du problème et ils travaillent. Tu mets pause, Verdier. C'est hein. Faux, c'est faux. Franchement, tu mets c'est pause. C'est faux. Donne-moi une seule preuve que j'ai mis pause. Mais il y a forcément des coups spéciaux dans ce jeu de merde, c'est pas possible. Comment on fait des coups spéciaux? Oh, oh comment putain, t'as pas ton poids, Verdier, c'est chaud. Mais chope-le, bordel de merde. Oh, mais chope-le, sa mère. C'est toi qui fais pause. Non, c'est toi faux. Qui fais pause, c'est éliminatoire. Mais dégage, oui, 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 on fait en deux. Oh moi putain, j'ai fait une dash attack. Oh t'es en train de prendre. Oh putain t'es stun. Oh je te mets stun. Non 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 non. Oh puisque pourquoi? C'est qui a gagné? Bah c'est toi connard. J'ai plus de... Mais regarde, j'ai des ampoules. Moi, je... j'ai une ampoule au pouce, mon gars. Fais voir. Je peux lécher aussi. Non, non. Un partout. Un partout, ps. Label pour se départager. Si tu veux, tu peux counter-pick. La gratuité du karaté, bah oui, évidemment. Bah non, mais il est pas gratuit. Quand on monte pas le premier round que je gagne, merci cette régie Proverdier. Le premier round était beau. Le premier round était beau. Counterpick. C'est ça. Je vais counterpiquer la régie, moi, dans pas longtemps. J'ai un sous-anneau, quand même. J'ai un sous-anneau, je pense. J'ai un sous-anneau, je reste sur sous-anneau. Il me faut un bon français, là. Ah, tu peux prendre... Tu peux prendre ta main. J'arrivais pas à lire les dents. Ça va trop vite. Ah, lui, il a l'air bien, là. Ça a l'air d'être un... Alors, il faut que je sois... Il y a quand même un nombre de persos hallucinant. Hein. C'est la balle de match. Hein. Ça a l'air d'être la force tranquille, lui. Plus que sur poker, déjà. J'avoue. Je comprends rien de ce que je fais, mais putain. Ah. Ah, je me suis tellement baisé. Mais moi, c'est les bras qui travaillent. J'hésite. Bon, t'arrêtes de faire ton conquister là, allez, joue. J'hésite, Verdier. Joue, de toute façon, t'as perdu avant que ça commence. Le petit catogan là. Non, je sais pas. Je pense, lui, hein, ça doit être la force tranquille, lui. Lui, ça a été mon perso durant très longtemps, mais il a des match-ups. Il y a lui aussi, hein. Oigawa, il s'appelle.
Tu pourrais jouer un perso qui s'appelle Oegawa ? Voilà, à cette heure-ci. Hein. C'est difficile, non ? J'hésite. Bon, lui, il a l'air d'en vouloir. Oh merde ! Il a l'air d'en vouloir. C'est Fudo. Il monte les dents. C'est Fudo. Il monte les dents, il doit en vouloir. C'est Fudo. Allez, mon champion. Hasta siempre, commandante. Allez, t'as une pustule sur le front, tu peux pas perdre. Oh putain, la vache, les... Waouh ! Il a une de ses allonges, ton perso. Stun est garanti. Oh là là. Oh putain, j'allais foutre stun. Non mais, casse-toi ! Ce combat d'handicapé international. J'ai essayé de foutre des lots, mais... J'ai essayé de foutre des lots. Oh mais là, ça joue trop technique ! Putain, le sale perso. Parce que tu veux pas venir à la shop. Mais la pustule, mon gars, la pustule. Ah, la pustule. Maître Didier Vergès. Balle de match. Bien sûr, Maître Didier Vergès. Oh là là. Oh, je me suis fait stomper. Enfin, c'était peut-être une erreur de reculer. C'est toi qui pose. Putain, c'est toi pas moi qui pose, Virgin Alchéton. C'est toi qui pose, arrête de poser, putain. La tête de ma mère au bled. Toi, allez, tu dégages. J'avais dit fallait le faire en un, bordel de chiasse. Putain. Enfoiré. Putain, j'ai des cloques pour rien. Ah, quand j'ai commencé à être tout rouge, c'est là où toi, tu as vu rouge. Ah, putain. Moi, c'est fini, hein. Je peux plus jouer à aucun jeu, là. Regarde. Ouais, je peux plus jouer à aucun jeu. Hein. Comment tu t'es baisé, Yex ? Bah, je t'ai dit, il fallait la faire en un. Regardez comment il s'est baisé, le malade mental. Mais si, je peux plus jouer. Alors que c'est un jeu technique. Et regarde, il s'est baisé, il est lent. Oh, regarde ça. Tu veux zoomer? Est-ce que tu peux zoomer? Oui, oh, mais n'importe quoi, mec, mais t'es malade. Mais je t'ai dit. Tu sais qu'il y a Track and Field après. C'est pour ça qu'il fallait jouer en 1. Je t'ai dit. Mais joue avec tes deux doigts, là. Mais j'arrive pas, moi. C'est un truc de blanc, ça. Putain, mais il s'est baisé. Sur le stream, t'es parfaitement blanc. Hein. Il s'est complètement baisé. Tu connais pas, toi, Valentin Lormeau. Le pauvre. Ça sera vendredi, Kirby Samurai. Les revanches de Kirby Samurai, vendredi. Vendredi, on sera là, il aura l'occasion de prendre sa revanche avec son index, du coup, le pousser là. Le jeu de foot te demandera pas beaucoup, normalement. Ça devrait aller. On a le temps de faire la pause, Valentin Lormeau. Valentin Lormeau. Non mais attends, parce que le journal de l'E3 commence à quelle heure ? Hein ? Attends, mais c'est pas à midi le journal de l'E3, je comprends plus rien. T'as pas un glaçon, un truc ? C'est à 13h. Apportez un glaçon à Monsieur Karaté. Je sais pas. Un glaçon à Monsieur Karaté, si très bien. Je vais mettre ma main dans le congélo, vite fait. Tu peux mettre ta main dans le congélo, vite fait. Ah, vas-y, je vais faire ça. Putain, mais t'es sérieux ? Bah, j'ai plus de doigts, je t'ai dit, enfoiré, qu'il fallait arrêter à vraiment baisé, en fait. C'est violent. C'est tout baisé, Mizu. Oui ? Eh bien, je gagne officiellement... Ah bah non ! Je gagne officiellement à râler. Je suis l'homme qui va gagner à râler. Broum ! Putain, il est trop stylé. T'aurais dû me le cacher, me le donner à moi. Je savais que c'était mon perso, j'ai tous les Dr. Slump à la maison. Il est plus fan de râler que toi. C'est vrai. Mais parce que juste, voilà. Il est en short. Bah oui, mais il est plus fan d'elle que toi. Moi, mon perso, c'est Time Sleeper. Ou Splitter. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais même plus comment s'appelle mon perso. C'est vraiment trop stylé. Parce que c'est pas donc, ton perso. Voilà. Malheureusement, première journée des défis de Monsieur Karaté, c'est son émission et il quitte déjà son émission pour... Ah, ça aurait été son émission, on a joué non, en 1. On n'a pas entendu. Personne n'en a pas entendu. On n'a absolument pas entendu. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu ce qu'il a dit. Il est déjà en train de se glacifier le doigt. Tu sais, si le mec, je fais deux parties contre lui, il est déjà mort. Il n'y a aucune endurance. Zéro. Bon, en tout cas, il y a déjà deux woodbox qui ont été gagnés, ah ouais, hein, sur vos deux GG, défis. Félicitations à ceux qui ont remporté les woodbox. Félicitations, je leur dirai en MP après. Grosse félicitation. Le troisième défi, ce sera sur quel jeu ? Alors là, Monsieur Karaté a le choix, puisqu'on va faire le jeu de foot juste après la
pause. Ah, mais c'est froid, mais casse-toi. Bah oui, c'est un glaçon. Ha 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 ha. Ha ha. T'es vraiment en train de te décongeler, ah. De congeler le doigt. Ah, il super. Ah, oh, purée. Ah, il super. C'était qui dans Laurel et Hardy, le gros et l'autre le petit? Laurel, c'était le fin. Ah ouais? D'accord. C'est juste tonton, du café, ça. Tu vas pas foutre ta merde dans mon café quand même. Bah, donne l'autre gobelet alors. Tiens, gobelet. Tiens, connard. Le bois qui est puissant chez cet homme. Bon, bah, qui t'a baisé mon café, hein. J'aurais pas dû rejouer. Voilà. J'aurais pas dû rejouer. Voilà. J'aurais pas dû rejouer. Si tu veux, micro-machine. Micro-machine, ça va, les micro-machines. Mais c'est la sale version. Mais non, mais c'est une version, c'est on sait pas. Micro-machine. Version. Micro-machine, ça c'est va bien. C'est la sale version. Ça va bien se passer. C'est la sale version. Ça va bien se passer, promis. Ah, c'est la sale version. Il s'est vraiment baissé le pouce, ça. Micro-machine. Après, tu pourras me mettre sans Zero Fighting Master, c'est toi le champion. Oh, t'as l'air tellement déçu. Je sens... C'est dur, c'est un champion blessé, c'est toujours le moral, il descend tout de suite. Tu vois, joueur de foot, tu te fais un peu mal aux gros orteils, t'as le moral mal. Qui baisse. Tu vas voir quand tu es un champion de jeux vidéo comme Monsieur Karaté, ce qu'on appelle un PGM hein, dans le jargon. Un programme, exactement, comme le vidéocomputer programme. Eh bien, tu acceptes mal de te rendre en fait, à tu choisis les jeux, tu choisis... Écoute, tu choisis... on t'a proposé de préparer ton émission. Non, j'ai préparé émission. C'est faux. Moi, j'ai proposé de ne pas préparer. Pour que ce soit pas préparé. Ouais, comme ça, pour que ça comme mette... Comme toutes les bonnes émissions. Ça mette 3 heures comme à télécharger les jeux. Et alors, c'est la convivialité. Mais moi, j'ai rien préparé. J'ai juste pris les jeux, juste installé les émulateurs, fait en sorte oh que là ça là marche. Là, c'est la sale version. Mais c'est pas la sale version. Oh là là là. C'est Micro pas la Machine Turbo, Tournament 96, dernière version sortie sur Mega Drive. C'est pas la bonne version. Bon, je rappelle, hein, n'oubliez pas vos petits tweets avec hashtag Voot3 et hashtag soit Team Verdier, soit Team Karaté pour chaque défi. Hein. Il y a 4 Woodbox à gagner pour aujourd'hui. Joline. Alors, ça prend quel perso? Joline, elle est stylée. Walter, c'est toi. C'est le gros. Walter, toi. Bien sûr. Tu veux changer le nom de Walter? Tu veux vraiment faire chier à ce point-là? Tu veux vraiment faire chier? Hop. Gua. Non, le cas, c'est pas ça. C'est ça, le cas. Guacu. On dirait un peu les sons de Splatoon. Je sais pas trop ce que c'est. Alors moi je peux jouer Joline, ce qui est très bien. Sinon, bah, c'est Joline. Il y a une vraie Joline. Moi bah, non, j'ai une Joline. Hein. Bah, attends, y a même pas vérifie de quand même, vérifie. Bah, non, mais tu vérifies. Ah, tu vérifie, hein, j'ai un Bruno aussi, c'est cramé. Il y a Spider dans le jeu. Chaîne, si tu veux. C'est cramé. Oui. Oh putain, Sarah. Sarah, je croyais qu'elle était chauve aussi. Ouais, ah, je croyais. On dirait, hein. Non, ouais, j'ai une Joline. Elle se remet d'un cancer. J'ai une Joline. La pauvre. Non, par contre, moi je m'appelle. Ah, allez, change. Bah, tu peux laisser, c'est un prénom de Jojo. Voilà, Joline. Je m'appelle Joline. Tu t'appelles. Alors. Alors attends, parce que là tu choisis n'importe quoi. Ça, c'est toi qui choisis. Non, qui choisis. Je regarde s'il y a la vraie course. Bob les ponts. Mais il n'y a pas la vraie course. Mais on sait rien, il n'y a rien de débloqué là. Jet Juice, Counter Panic. Oh là 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 là. Que des sales courses. Et en plus, je t'ai dit quel. Mais j'en sais rien, moi je m'en fous. Tu m'as rien dit du tout. Moi j'ai pris Micro Machine le dernier. Et à 15 cours, ça devrait aller. Oh là là, il n'y a que les sales cours. On le fait encore en 3. Il n'y a pas Ferry Fiasco, mon gars. Oh, il y a des cartes. Ah, Ferry Fiasco. Ouais. Attends, mais tu te fous de ma gueule? Là, d'accord. Comment ça, là, d'accord? Là, d'accord. Non, mais attends, tu prends la course que tu connais, là? Non, je prends la course du Tougeki. Ah, merde, attends. Déjà, tu pars en arrière. Je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de bouton. Ça arrive, ça arrive. Là, tu feintes. Comme ça, il croit qu'il faut tourner. La base. C'est ça qu'on joue avec des pauvres cons. Comment on peut faire là? Là, bah là, regarde. Et là, je suis baisé. Bon, c'est une façon de voir les choses. En fait, tu prends ton circuit et... Ferme-la, ta grande gueule. Oh putain, mais quel bâtard. Ferme-la, ta grande gueule. Winner! Et c'est fini, j'arrête là. En 1. Voilà, en 1. C'est mon émission. En 1-1, ça compte pas. En 1, j'en ai rien à branler. C'est mon émission. Le mec, il prend sa course. C'est mon émission. Il connaît toutes les femmes. C'est mon émission. Team Bex, il dit c'est bon, j'ai gagné. Moi, je peux pas accepter ça. C'est mon émission. C'est mon émission.
c'est mon émission. Mon émission. Voilà. Allez, hop. Non, mais en trois, laisse-moi choisir une course. Bah, choisis. Tu peux jouer contre Mizou si tu veux. Prends la manette. Mais tu te fous de ma gueule, mais t'as gagné une course. J'ai gagné l'émission. Race again. J'ai gagné l'émission. Bah, tu peux racer again, ça ne compte pas. Mais si, ça compte. Ça ne compte pas. Non, mais attends, t'as pris ton vieux tracé de merde et genre, tu te barres. Tu sais jouer, de toute façon, tu vas me détruire sur les autres trucs. Bah oui, bah c'est pour ça que ça sert à rien de jouer. T'as autant tu l'as dit toi-même, je vais gagner. T'as autant les fois que t'es même pas capable mais tu viens de dire toi-même. Une autre. Je vais gagner. Non, je veux juste qu'on perd une autre. Pas de temps. On en fait une autre. Non, on perd pas de temps. C'est non, mais on en fait une autre. On fait celle-là, d'accord. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Verbier. Tu joues. Tu as carte blanche. Mais t'es carte blanche. Et j'insiste sur le blanc. Tu joues. Tu peux pas perdre, c'est ton jeu. Tout va jouer sur le jeu de foot de toute façon. C'est bien. Bah autant le mettre tout de suite. Vous avez vu le mec là ? Mais moi je demande juste ma chance. Il me laisse pas ça, ma chance. Mais le tu mec, l'as eu, Verbier. Ah, j'ai fait une fente à droite, j'ai pris Bob l'éponge. Bah ouais, t'as pris tous les mixeurs. Mais casse-toi. Mais j'ai rien pris, tu m'as même pas laissé le temps de jouer. Bah, au début, je connaissais même pas les Verbier, boutons. Je n'entends pas. Je ne sais pas. Qui me parle ? Papa, c'est toi ? Si vous avez dit Team Karaté, sachez que la Woodbox ne sera pas gagnée tant que Karaté n'aura pas fait le FT3. Bah, et pourquoi ? C'est mon émission ? C'est ton émission. J'ai dit j'ai gagné, c'est fini. C'est FT3 c'est fini. De base, mais c'est en 3, fini. On ne fait pas en 1. J'ai même nous ne sommes pas à peine dans le temps, une république bananière. J'ai eu le temps de comprendre les touches que j'étais mort. Non, c'est fini, Verdier. Putain, mais c'est l'homme le tu plus... Tu te fais du mal. T'es vraiment le plus gros... Tu te fais du mal, Verdier. T'es vraiment le plus gros de l'histoire. Tu ne te veux pas comme ça et tu ne veux pas renvoyer cette image. Je veux ma chance. Donne-moi ma chance. Tu l'as eu. Mais toi aussi, je t'ai donné ta chance à tous les autres jeux. Ah. On a fait en 3 ah bon, Bold Jack. Même en 4. On bah, en a fait en 5 à Bold Jack. Mais voilà. On a fait en 3 sur l'autre jeu de chiasse à Rimanada. On a fait en 3 à chaque fois. Et là, moi, j'ai gagné en 1. Et tu te casses. Sac à merde. Bien joué. Bien joué. Sinon, sur toute tes générations et tes générations de gros ballots, ils seront maudits à jamais, comme celui, le daron qui avait les foies et qui voulait pas faire rematch. I want a rematch. I want my money back. Donnez-moi mon argent. Verdier, change de jeu, c'est le mieux. C'est le mieux. Et ça balance les manettes. Le tu matériel. N'as aucun respect du matériel. Je ne te comprends pas. Moi qui pensais que tu étais un gentleman. Je suis un gentleman. Tu étais le français moyen. Je suis un gentleman. Tu veux même pas rejouer. Mais je veux même pas rejouer. Tu te rends compte à quel point tu étais là. J'ai joué. T'es là, je jouais. T'as pris 30-0 là. Moi, j'ai écrit quoi ? Il y a écrit quoi ? 30-0, 30 PTS. Oh, j'ai gagné. Viens jouer. Allez, on change de jeu. Tu peux appuyer sur la touche échappe, là, je n'arrive pas. J'ai appuyé sur la gueule, pas ça va. Je n'arrive pas à l'atteindre. J'ai bien le foudre comme ça. Ça va être vite fait. Putain. Mais le chat, dites quelque chose, s'il vous plaît. Dites quelque chose. Raisonnez-le. Raisonnez-le. Je vais tout baiser. Raisonnez-moi. Je vais tout baiser. Tiens, regarde, tu vois, là, il m'a mis... il m'a mis le café, je le verse. Non, arrête, le café s'attache, hein. Ma mère, elle m'a dit de pas me salir ce matin en partant de la maison. C'est bien parce qu'on joue pas avec la nourriture. En 3, merci, ça en dit 3. En 3. Voilà, bah c'est bien de le dire, c'est bien. Ça rejoue connard, voilà, tu vois, voilà. Dire, rejoue voilà, connard, rejoue bah, connard, rejoue c'est connard. C'est bien, bah c'est bien. Bah, tous les suceurs de Verdier, vous avez perdu, c'est pas grave, les gars. Et tu vois, ça dit même quelque chose. Ça dit même quelque chose, ce que j'attendais. Ce que tu attendais. Ce que j'attendais que ça dise quelque chose. Et là, ça dit quelque chose. Oh, bon, écoutez, puisque c'est comme ça, on va repasser un petit coup de la famille. Et puis, on se retrouve après pour le match de foot. Le match de foot, il ne pourra pas esquiver. Même en un, ça durera longtemps, de toute façon. Ah, d'accord. Mais tu te rends compte à quel point tu es... Je arriverai pas à dormir ce soir. T'es même pas en short, c'est vrai, sur ce générique. Mais c'est il terrible. Est très bien, générique. Très, très gros jingle, hein.
De retour dans les défis de Monsieur Karaté, c'est son émission 2-1 pour le moment parce que bon, il a pas voulu me laisser prendre la revanche. Et du coup, arrive le moment du football. C'est toi, pour toi, le football? Bah, ça dépend quel jeu, ça dépend quel jeu. Après, je non, mais déjà, connais tu connais les règles. Je connais les règles du football. Ce qui n'est pas mon cas. Mais il faut savoir que dans les jeux à l'ancienne, certaines règles étaient un petit peu obstruées. Obstruées? J'ai envie de sortir un mot. D'accord. J'ai des lunettes, Verdier. On passe évidemment le salam à Julien Chiez qui doit nous regarder de là-haut. De là-haut des États-Unis d'Amérique. Ah, mon cosplay Lucio. Le cosplay. Oui, Risotto Show, il a dit c'est cosplay Lucio. Le cosplay Lucio. Kenny, bah viens. Viens, Kenny. Bah viens, mon gars. Il y a Kenny qui vient d'arriver. Bah tu crois quoi? Cosplay Lucio. Lucio. Donc le jeu de foot qui a été choisi, c'est Pro Striker Final Stage. Pourquoi ce jeu de foot? Je ne sais pas. Bonjour, Kenny. Bonjour. Kenny qui nous accompagnera pour la suite des conférences et débriefs. Tu fais quoi, Kenny, exactement? Je sais pas s'il y a une sucette pour toi. Je mets comme ça, parle dans le micro. Je sais pas. Nintendo, normalement. Nintendo, c'est la fin de la journée. Pour l'instant. Tiens, sucette, pour le moment. Ah, sucette. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Kenny, est-ce que tu es fort au jeu de foot? Je sais pas. Tu ne sais pas. J'ai joué à une époque à PES, mais c'est tout. Ah, PES. Et World Cup sur NES aussi. World Cup sur NES. ISS, mon gars. ISS 95 Deluxe, je sais plus trop quoi. ISS 64, le meilleur. Ah là là, ouais, je joue au 98, moi. Non, ISS 80. Tout court sur Super Nintendo International Superstar Soccer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Là, on va jouer à Pro Striker Final Stage, c'est le dernier jeu de Sega sur la Mega Drive. C'est Sega, hein. Ils ont fait des jeux de foot officiels chez Sega. Victor Eagle était très bon sur Saturn. Hein. Comment ça? Victor Eagle sur Saturn. Ça joue aux versions japonaises et tout. Worldwide il est sorti Soccer au Japon, aussi. Worldwide Soccer, il était craqué. Worldwide Soccer sur Saturn. Sur Saturn. Ouais, sur Saturn. Ah là là, c'était le concurrent des Adidas, machin et tout. Ah oui, non, c'était le top tier du jeu. Il y en a beaucoup qui ont acheté la Saturn pour ce jeu. Ah ouais? Ah, World Wide Soccer. Il y en a eu deux, je crois. World Soccer, oui, je l'avais. Je dis ça, mais j'avais Manx Titi, Superbike. J'avais World Wide Soccer et Sega Rally à l'achat de la Saturn. Sega Rally chef-d'œuvre, tout à fait. Gros chef-d'œuvre. Donc, on va jouer un match en Antopif Token à deux joueurs. Very long indie left. Et. Oh, mais il y a les meilleurs. Tu peux bouger là? Oui, tu peux bouger. C'est les miens, eux, là. Sors dessus. Les gars? Les raises. Oh là là, il y a un vautour. Ils sont tous en short. Ouais. Oh là, je suis obligé de jouer le vautour. Tu rappelles donc la dernière Woodbox de cette émission pour aujourd'hui à gagner, ce sera sur ce défi. Bien on sûr, soit de ma team, là, joue le vautour, là. Hashtag Woot3, Team Karaté ou Team Verdier. Voilà, le vautour. Et donc voilà, une Woodbox à gagner sera la quatrième de cette émission et on en remettra 4 en jeu pour demain matin. D'accord. Waouh. Faut que je choisisse. Oh, il n'y a que des mails. Mais je parle. Le Dauphiné libéré. Blonde passe. J'avoue, le vautour, c'est obligé que c'est mon main. Hein. Grande passe, grande puce, ça peut être ça. Hein. Le vautour. Ah, il te ressemble un peu. Jubilo. Jubilo. Avec des persos en short, là, en plus. Il ressemble pas du tout. Tu dis de la merde. Bah, s'il a ce petit regard biaiseux. Oh, putain. Ferme-la. Ferme-la. Putain, j'ai fini Ted. C'est trop dur de choisir. Ah, il est stylé, lui, quand même. Ouais. Franchement, c'est les deux meilleurs persos. J'hésite, moi, entre les le raise. Vautour. Je suis obligé de jouer Vautour. Ouais, je suis obligé de jouer Vautour. Vautour en short, c'est garanti. Je veux dire, je joue Vautour, je joue short. Ah, putain, mais c'est impossible de choisir. En tant que fan d'Ace Ventura, tu dois jouer le dauphin, normalement. Ouais, mais c'est pas un dauphin, c'est un orc. C'est un orc, tu penses? Ouais. C'est un orc, malheureusement. C'est pas un orc, donc, moi, je suis tiraillé, ou... je suis partagé. Et il est où Footix? Il est pas là, Footix? Ah, lui, il ressemble un peu à Footix. Oh, le coyote! Ah, lui, c'est le français! Ah, oui, lui, c'est le français. Ah, le béret! Il y a le béret. Il y a le béret. Il y a le béret. Non, mais là, c'est bon, t'as ton main, Ken. C'est bon. Je vais jouer ça. Tu joues le béret? J'ai joué les Marinos. T'as vu, il a un problème de bras. La Bérésina. Je valide les Marinos. C'est officiel. Ouais. Non mais casse-toi. On peut jouer dans la même team. Non mais casse-toi, il n'y a pas de versus. Bah on peut jouer dans la même team. Sans déconner, casse-toi. Comme ça on gagne tous les deux, bébé. Casse-toi, tu te casses.
Je veux même pas. Je veux même pas entendre parler de toi. Est-ce que je peux laisser jouer le com? Tu peux. Tu peux laisser jouer rien du tout. Viens jouer, viens te battre. Pourquoi tu veux tout le temps? T'es tout le temps dans l'opposition. Non, c'est juste que t'essaies de me baiser la gueule et que je mets la garde. Ça veut dire que t'as taffé le jeu. Par contre, là, son bras, il y a un truc bizarre quand même. Hein. Ouais, il a combien de coudes sur le même bras? Mais c'est parce qu'il a une aile. C'est son aile comme ça. Ah, mais c'est un poulet un peu sidaté quand même. Bah, c'est le poulet du KFC. L'abus de sport individuel. On a pas mieux, hein. On a pas mieux. Tu le valides ta chiasse ou je te mets une patate? J'essaie parce que tout est dans l'appui du bouton quand même. Hein. Ouais, il suffit d'appuyer sur A et... J'appuie start, moi je choisis de ne pas choisir. Alors, le nombre de minutes, on pourrait faire un match qui dure très très longtemps. Non, mais on va s'éviter quand même. On peut faire des vrais matchs de 45 minutes la mi-temps. Hein. Non, mais attends, je regarde 3, combien de temps 3, il nous reste. 3 le plus court. Arrête, mais on va se faire chier en 3. Bah non, justement. 3. Donc, conditions météo. C'est quoi là le 1 ou le 2? T'as le blizzard. C'est le stadium, c'est le stade. Le 2. Hein. Stade le 2, d'accord. Sûr. Est-ce qu'il y a du vent ou pas du vent? On met pas du vent. Le choix entre pluie torrentielle et blizzard, carrément. Ouais. Neige, est-ce que tu veux jouer sous la neige? Grosse condition de jeu. Putain, il est génial ce jeu, il y a trop de configurations. Dehors, il fait timide. Il pleut dehors. Il est timide? Il pleut dehors? Non, oui, il fait timide. Aujourd'hui, il va pleuvoir, on va laisser comme ça. D'accord. Déjà qu'on sait pas jouer au jeu de fou. Ah, les formations, les meilleures bien entendu. Comme tout est en japonais, on va jouer un 4-4-2 classique. C'est le mieux, hein. Voilà, je sauvegarde ma formation. Et voilà, et je valide. C'est bon, j'ai validé. Tu penses? Ouais. Moi, je vais appuyer start. C'est parti, mon gars. Je m'appelle les Verdi. Je m'appelle Verdi. Tu t'appelles Verdi? Bah, c'était pour toi cette team en fait. Tu m'avais dit de les pas Verdi. Dire Verdi. Je t'avais dit de me laisser prendre le vautour. C'est qui joue toi, le kick-off? Toi, t'as la France. Ok, c'est moi qui joue le kick-off. Parfait. T'as la France et moi j'ai le Mexique. Hein. Ah non, ça c'est le tir, c'était pas trop la passe. Oh, j'ai failli marquer. Hein. Oh, il y a un photographe. Marqué de loin. Oh là là. C'est quoi? Il y a une pluie. Cette 3D isométrique. Ah, mais j'ai rien compris. J'avoue, il y a eu. Il y a dû y avoir un gros donc débat au développement sur la 3D donc, ISO ou un genre de fausse perspective. Throw in. Je throw in. Où est mon mec? Ah ouais, c'est bizarre, le terrain oh, putain, qui j'ai se fait change. Une tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais fous-moi la paix. Ah, oh là là, penalty. Non, penalty de rien. Intervention virile. Penalty de rien du tout. Hop là. Ok, jeu de passe incroyable. Bon, je note qu'il y a que des blancs. Il y a que des blancs dans l'équipe de France. On est bien dans oh une version. Attends, mais on est bien dans un vieux jeu de foot là. On est dans un vieux jeu de foot. Par contre, c'est ce qui j'ai l'impression que tu as tiré là-bas. Ah oui, d'accord. Okay. En fait, le penalty. Mon petit doigt m'a dit. Penalty. C'est quoi ce penalty de merde? Là, dis-moi où tu vas tirer. Oh, c'est d'une propreté. Oh là 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 là. Regardez ce décalage à la Thierry Gilardi. J'ai pas voulu tacler. Et pirouette, cacahuète. Le penalty, t'indique. Quoi, j'aurais dû cisailler les jambes vu qu'on sait où tu vas tirer dans le penalty. Ouais, j'ai manqué de lucidité là. 1-0, mon gars. Mais oh comment on passe, Narl Chetan? En fait, le jeu il tourne bien, il rame pas. Oh là là, monsieur Carton. Eh, bisocotte là, monsieur. Carton, rien du tout, il dit free kick. Il dit free kick. Attention. Tout. Moi je joue l'Algérie en fait en scred. Oh moi, putain, mais il est zéro. Moi je les Algériens, mon frère. Mais là c'est ramadan, passez-moi on est nerfé. Passez-moi la balle. Attends, hop, ah, mais c'est fois, pas possible. Faute, mais c'est quoi ce France-Algérie là? J'ai rien fait, j'ai juste fait un petit tac. Directement il met faute le jeu. On va envahir le stade, hein, je te le dis direct. Voilà, contrôle bon, pas. Au moins j'ai un goal. Oh, il met la pression. Très gros goal. Hein. Bah c'est Yoris. Voilà, hop. Ah, là, par contre, il n'y a pas faute. C'était pas Lloris, il était trop grand, le gardien. C'était bien vu. Oh là là, la tête de ma mère au blé. Oh là là. Ça sort... C'est gratuit. Ça déloge les araignées des buts. Ça enlève l'étoile d'araignée. Très bien. Alors, le tir, c'est quoi les boutons, d'ailleurs? Alors, il y a la passe sur un bouton, il y a le tir sur un autre bouton. D'accord. C'est tout, mais y a pas de... Mais il connaît pas les boutons. De toute façon, c'est un jeu Mega Drive, là. On est à 3 boutons, donc... Ah ça y est, ça joue un peu plus le jeu de passe. On voit la défense gênée. Oh là là, mais j'ai le meilleur goal. J'ai putain, tellement le meilleur mec, goal. Il a un gardien de prison là.
Ah merde, par contre, ça, c'est pas bon. Non, c'est moi qui vais récupérer. On repart de derrière pour construire. Un construire. Ah, oh, le jeu est mieux construit quand merde, même. Merde. Oh, oh mec. Oh, t'es sérieux? Le dingue. Ah, ton go l'a servi à quelque chose pour une fois, t'as vu? C'est dingue. Oh, ce petit saut de cabrit. Non, par contre, il faudrait que je change de... Comment on change de joueur? Oh, ça pue le but. Ça pue le but! Ah, d'accord. Ok. C'est bon, je sais les boutons maintenant. Le goal kick, c'est même pas le goal qui le tire. Je sais les boutons. En fait, il y a masse de détails. Hein. Il y a les photographes, il y a les juges de touche, mais il y a tout. C'est le dernier jeu de Sega de foot sur la Mega Drive. Et ouais, tu sais, j'ai quand même su faire. Ça tire trop dans le goal. Ça balance des tirs de l'aigle. Non, mais c'est quoi ça? Les tirs de pierre, l'aigle. S'il vous plaît, fin de la première mi-temps 2-0. Un match comme on n'en a jamais vu. Oh, c'est parfait. C'était quoi ça? Ah oui, c'est le centre, c'est l'autre bouton, d'accord. Ça servait à rien de centrer à ce stade-là. De la compétition. Ah, j'ai raté mon tacle. Oh putain, bien, belle esquive. Très belle esquive. Merci. Je récupère. Merci. Il est seul sur le terrain. Évidemment, il n'y a pas hors-jeu et ça sent le but. Et ça pue le but! Mais le gardien, mon gars. Ah, mais le dingue! Regarde, il va où? Je crois que le gardien. Il va où, le gars? Le gardien, il a regardé les conférences, s'est couché tard. Hey, mais le gardien, mon gars, aux abonnés absents. N'empêche, c'est complètement le jeu de foot japonais avec les musiques derrière de shonen, quoi. C'est ça. Gros 3-0 en attendant. Oh, tu m'as mis la misère. Oh, là, si ça marque pas un but. Oh là là. Ah, bah, je peux plus rien pour toi. Et il est zéro. Si t'arrives pas à marquer. Si t'arrives pas à marquer but là, je peux plus rien pour toi, ah, mon ouais, gars. Mais... Non, mais tu. Tu fais le fanfaron, mais moi j'ai compris une chose, c'est les jeux à l'ancienne. Il y a un bon côté, le côté qui marque. Mais non, regarde, t'as vu, je t'ai... Et il y a le mauvais côté. Le côté qui marque aussi, regarde. C'est les vieilles strats, je joue à droite, tu joues à gauche. Et voilà, il y a le côté qui marque aussi. Ah mais sérieux, le gardien. Mais regarde le dingue. Mais regarde, s'il te plaît, est-ce que il n'y a pas plusieurs sujets que ce gardien? Le gardien qui va quitter la sélection. Après le match, l'annonce va être publiée en conférence. Je vous quand même dis qu'il y a quand même le côté qui marque et il y a le côté qui marque. Bah attends, tu vas voir, il faut que je marque plus du côté qui marque que toi tu le côté qui marque et il y a le côté qui marque. Ah merde, c'est pas la passe ça. Ah putain, mais par contre, arrête de faire le mec qui fait joueur Ribéry, tiens, penalty. Oh ! Mais pourquoi tu vas dans le gardien pour C'est lui qui vient dans moi à la différence de mon gardien. Petite esquive. Petite esquive de rien du tout. Hop, petite passe vers l'avant, petite passe vers le centre. Qui passe vers un hors-jeu dont tout le monde se fout. Oh là là, oh putain, mais il est zéro ton gardien, c'est non, violent. Tu crois? C'est pas au bout de 4-0 que tu t'en rends compte. Il est tellement zéro. Oh oui, oh ça sent le but. Oh bah, il suffit de cadrer en même temps. Oh là oh là, genre faute. Ah et putain, mais l'arbitre, il est français. Mais on se voit que c'est l'euro que ça se passe en France. Hein. C'est violent. Mais il n'y a pas faute. Il n'y a tellement pas faute, là. Ça sent l'envahissement de terrain, je te le dis, mon gars. Ah, bien joué, c'est petite pointe de corps. Par contre, mais pas mal ça. Plus ça. Oui, bon, bah, c'est bien. Non, c'est pas une relance comme ça que je voulais faire, hein. C'est zéro. Mais pire relance. S'il vous plaît, Fabien. Oh, il y a trop de feintes. Il rentre trop de feintes. Il rentre beaucoup trop de feintes. Oh là là, ça tire jamais. Boum. Oh là, cette récupération tellement là. Viens là non, oh non. Putain. On repasse au centre, pas de hors-jeu. Attention, ça pue le but. Le gardien n'était pas là. Alors on va essayer de tirer d'ici. Bam. Tu tires dans ton joueur. Heureusement que tes joueurs ont défendu pour moi. Oh, ce tacle inefficace. Oh là là, je t'ai pas touché. Ouais, bien sûr, t'as touché que le ballon, c'est ça que le ballon. Je joue la balle, moi. Je suis un mec qui joue la balle. Oh non, ah oui, bah, ah, les défenseurs. Oh là 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 là. Les défenseurs qui ont posé une tente qui bouge plus. Ouais, c'est violent. Eh, mais j'ai pris la pire team de l'histoire. T'as pris les Verdiers. Bah voilà, il s'appelle Verdier, forcément. Il a vu un vautour, il a quelque dit part, c'est mon t'as perso. Perdu, hein. T'as perdu le défi. C'est hein. Vrai que j'ai un peu perdu, mais j'ai gagné. Non, t'as perdu. C'est mon émission. Les Dolphins étaient les meilleurs. Ah là, ça bute. Oh là là. Putain, mais t'es mais le gardien, il est trop à la fraye. Mais je sais pas, à un moment, tu devrais passer la balle aussi. Hein. Mais passer à qui? Passer, voilà, au trouine. Regardez, je vais récupérer la balle sur le throw-in. Regardez comme c'est impressionnant. Voilà. Oh là là, il a arrêté une balle. Hein. Il a arrêté une balle. Oh oui, il n'y a pas faute, jamais. Pourquoi fais-tu ça? Le fœtus. Pause.
tire et but. C'est simple le football. Le football c'est simple hein. Tu sais que t'as le droit de marquer hein. J'ai pas l'impression, hein, pas avec cette équipe. C'est autorisé hein. T'es autorisé, mais là je pense 6-0 tu peux revenir. Ouais mais nous l'Algérie on est un peuple fier, on s'en fout de tout ça. Vous êtes fiers de vous faire bourrer? Non. Oh, ah je cours pas vite hein, quand même, t'as vu? J'ai pas une équipe très rapide. C'est vrai. Par hein. contre je marque des buts hein. Oh, oh là 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 là. Il suffit de cadrer. Ça, ça sort des frappes extérieures brossées et tout. Ah bah c'est le pif hein, quand tu connais pas les jeux, voilà. Mais moi non plus je connais pas le jeu. Oui, je, bah, je tape au pif, bah, mais... c'est ce que je dis, c'est le pif quand tu connais pas les jeux. J'ai dit autre chose. Bah non. Bah je ne sais pas pourquoi tu es sur la défense. Moi je vois juste que t'es en difficulté, j'essaie de t'aider. Oh, il a reçu une balle. Magnifique. Ah bah c'est bon, on a Magnifique. Gagné. Magnifique. Oh là là. Superbe. Allez, petit pénalty. C'était pas ça le bouton tac? Je pouvais pas signer de le gardien là. Tellement envie de signaler. Oh, il a jamais récupéré le ballon. Je vais faire un centre pour la fin. Et tiens. Putain. Oh, le dernier coup de pied arrêté avant le... avant la fin du temps réglementaire. Pouh oh là là. Et tacle. Regarde, regarde, regarde bien cette action. Regarde bien, regarde bien. Tacle qui relève la balle. Pouh oh, c'est même pas possible dans la vraie vie. Qui fait un tacle comme ça. C'est même pas possible dans la vraie vie. C'est pas possible même qu'il a balancé avec les mains, je suis sûr. Putain. Oh là là. Donc, 8-0. 8-0, oh, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu faire le bon une score? C'est une valise. Ah, il ouais, fallait une pifier valise. Un score précis. On a pris une valise. 8-0. C'est pas grave, il reste un non, jeu, c'est Fighting moi, Masters. Moi, j'ai vu écrit les Verdiers, je savais que j'avais perdu. Moi, je pense que j'ai gagné, en fait. J'ai gagné vu que je jouais les Verdiers. Bah oui, bien et sûr. Voilà, donc... et comme c'est mon émission... Je suis désolé. Verdier a perdu. Je suis désolé pour toi. Verdier, c'est écrit avec un Y, d'ailleurs, en anglais, si tu veux le savoir. Je suis désolé. Verdai. Le score part de lui-même. Peut-être ton analyse du match? Mon analyse du match... Les Verdiers perdent, donc j'ai gagné. C'est logique. Ah, gros, c'est logique. C'est la logique. Dit, qu'as-tu pensé de ce match du, visiblement, les Verdiers un peu en difficulté dans ce début de saison. Je pense que l'équipe de France a su faire la différence en créant le jeu, en s'opposant au bon moment. En tirant au but. En appuyant sur les boutons. En appuyant sur les le but. Boutons, hein. Vrai, avec un pressing vrai. Efficace, une disposition en 4-4-2. Ouais, j'ai bien aimé ma un petit 4-4-2, tu vois, ouais, ça, non, c'est ça a bien été efficace, non, c'est hein, la... c'était propre. Ça s'est joué quand t'as sauvegardé la formation, je pense. Tu prendras ta revanche, regarde ce qui nous attend pour mercredi. Regarde, ce jeu-là. Ah, c'est fini, là, aujourd'hui? Non, il reste encore Fighting Masters, c'est ouais, fou, mais Fighting Masters, ouais, c'est défi infini. Il reste le Monde des Bleus pour mercredi prochain. Ouais, que des jeux que j'ai jamais joué de ma vie. Le Monde jouais des... déjà... Mais moi non plus, j'ai joué à aucun jeu de ça. Ouais, j'ai jamais joué. Sûr, si, t'as joué à Bishibashi, j'étais choisi Bishibashi spécial, ouais, c'est toi qui as choisi le jeu. Mais, oui, mais Bishibashi, c'est pour tout le monde. C'est comme si tu me dis, j'ai choisi Kirby Samurai, tu vois, tout le monde peut gagner. C'est des jeux honnêtes. Moi, j'ai cette honnêteté. Des jeux honnêtes. C'est j'ai cette honnêteté. Tu n'as pas Verdier, visiblement. Des jeux honnêtes. Des jeux honnêtes. Bah oui. Je veux dire, c'est des jeux de réflexe. J'ai plein un jeu de foot. C'est des jeux de réflexe. C'est des jeux de réflexion. On Comment est égalité. Non, mais ça sert à rien d'avoir ta fée. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir ta fée Bishibashi, par exemple. Bien sûr que si. Bah non. Bien sûr que Movi, il me met 100-0 sur Bishibashi. Mais comme il te mettrait 100-0 à n'importe quel jeu, Verdier, tu es 0. Mais je l'ai tué à Sailor Moon, qu'est-ce que tu me racontes? Je l'ai tué à Sailor Moon. On l'a tué à Sailor Moon. Il n'y a pas de vidéo de toi le tuant. Moi, il y a la vidéo, j'engage mon intégrité. Je sais pas pourquoi. Vous avez calé un Mr. Splash sur le programme? C'est sur quoi? C'est sur NES. Non, mais il reste une journée, la journée de jeudi. Il y a Blade of Steel, rassure-moi. Qui est libre. On pourra mettre ce que, à partir du moment où c'est un jeu NES, tu peux faire jeu libre, d'accord? D'accord. Il n'y aura pas de souci. Mais il y a une journée jeu libre. Là, normalement, nous, on fait aujourd'hui la Mega Drive, ensuite demain, la Neo Geo, ensuite mercredi, la PlayStation, ensuite jeu libre, et ensuite, on termine avec la Super NES, avec tout un tas de jeux. Une ops et un jeu de foot par jour. Hein. En attendant 8-0, je pense que je peux prendre quelques buts demain et revenir. Et on va jouer au meilleur jeu de combat de la Mega Drive. De tous les temps. De tout le lac. La Mega Drive. Ah, attention, parce qu'il y a Fatal Fury quand même qui est assez excellent sur Mega Drive. Assez excellent. Oui. Fatal Fury, ça vaut rien. Fatal Fury sur Mega Drive. Comparé à Fighting Masters. Ouais, bah, rien ne vaut quelque chose comparé à Fighting Masters, c'est sûr.
Ah, je connais même pas. Tu connais pas Fighting Masters. Je vais retravailler ma culture vidéoludique. Fighting Masters. C'est un jeu de combat sans garde. Mon jeu a été fait par Tréco. Ça, t'as tout dit. Exact. Tréco, je connais pas Tréco. Eh bien, tu vas apprendre à connaître ce jeu Fighting Masters, un jeu de l'espace. Donc évidemment. On dirait un Golden Axe. Bon, on va quand même présenter les persos. Fighting Masters, on a beaucoup joué pour toi, peut-être qu'il connaît pas. Voilà. Il y a à dire que Dirk Nowitzki, grand joueur de basket, mais grand lutteur à ses heures, bien sûr. Mastodon, l'homme éléphant, hein, que pour faire plaisir à la communauté pacate. Ecus, un boxeur tout en style, très stylé. Mais un peu le lotière du jeu quand même, faut le dire. Pas assez d'avant. Bien sûr, Maureen Dor qui n'est plus à présenter. Ah, avec ses... Maureen Dor avec Charlie Lulu. Ils sont voilà, là, Charlie exactement. Lulu ou pas bah Charlie oui. Lulu sont avec là ou pas c'est ton fa. Voilà. Grinder, le breaker cyborg du futur. Un de mes mains quand même, faut le savoir. Il a l'air Gold énervé. Rock, Goldorok, le chopper du jeu. L'homme de pierre, l'homme goldé, j'ai envie de dire. L'homme goldé. Il est goldé et il faut savoir que, bien sûr, c'est le main d'Euro. Grand compétiteur. Phoenix, qui s'enjaille Phoenix. Zygrunt, l'homme extrovix. Zygrunt, l'indépendant. Mon perso, parce que c'est Cisaiox. C'est vrai, c'est un peu Cisaiox, ouais. C'est vrai. Très stylé. Rotundo, l'un des persos les plus stylés de l'histoire du chara-design. Rotundo. Ah, une belle bête. Il est tout en rotonde. J'avoue, il est magnifique, violent. Avec ses collerettes. Regarde, il passe même en chroma key. C'est le seul qui passe en chroma key dans le. T'as vu ? Ouais, il est stylé de ouf. Xenon, bien sûr, les phares au Xenon qui éclairent la nuit. Dio, mon main. Dio Burando. La plante vampire. Dégueulasse ce perso. Chef d'œuvre. Le monstre plante, Jace et les conquérants, tout ça. Un de mes autres mains, le perso en short du jeu, mais Happercut. C'est vrai. Gros perso. Gros perso. Donc moi, j'ai un Zygrunt, hein, je l'ai annoncé. Tu as un Zygrunt, c'est vrai. Hop, je grind, tout ça. Alors ce jeu est bizarre parce que, donc déjà, c'est un jeu de baston, donc tout est en 3, faut perdre la vie de l'adversaire. Mais il n'y a pas de garde dans le jeu. Et du coup, tout se joue sur la touche, et dès que tu touches, pour faire des dégâts, ensuite après, il faut choper. Les setups à la relevée. Et il y a les setups à la relevée très importants. Alors, attends, il n'y a pas de session de plan à la Bitzemol, c'est que du pur jeu de baston 2D. C'est du pur jeu de baston 2D. Faut s'y mettre ardemment. Parce que tu vois, les chops peuvent faire vite très mal. Voilà, c'est saccade de scrolling, c'est magnifique. Il y a tellement peu de vie sur ce jeu. C'est vrai qu'il y a peu de vie. Rah, ça c'est la bonne chope, je crois. Bam, bam. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai été touché. Est-ce que tu méga-évolues avec Zygrunt? Je ne méga-évolue pas, mais le plus important, c'est de toucher et de set-up. Et tu vois, si jamais il me hit-stun de trop loin, il peut pas me faire ce qu'il veut. Pump it up. Bam. Donc l'air to air est évidemment très important. Les coups spéciaux, ils sortent comment? C'est quoi? En fait, les coups spéciaux, c'est les chops. C'est les chops. Ah, en fait, t'as un coup, t'as le saut, t'as saut-coup. Et ensuite, après, l'important, c'est les chops. Ah putain, c'est setup de cross-up de l'infini. Allez, tonton! Ah, là, tu vois, regarde, il avait pas assez de hitstun. Je sais que j'allais bouffer. Et là, tu vois, il a eu peur aussi. C'est très important. Ah là, il aurait dû venir me choper, là. Oh, bien joué, ça! Je sais pas comment t'as fait pour te baisser pour passer en dessous. Mon Zygrunt en difficulté. Non! Mais jamais tu me touches là. Oh, petit là. Détail appréciable, la dimension de l'écran qui est pas mal. Ça tue, ça. Avec le wall combo, deux, bam, trois. Bam. Bien joué. Bien sûr, le wall combo qui tue, la base de la base. Bien joué, bien joué. Je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, et je t'ai fait ça, et pas ça. Il y a des arènes ça, genre avec des cordes ça, électriques ça, ou des trucs comme ça, ça. Ou alors c'est les arènes sont prédéfinies mais le match final on si jamais il y a stage. Un voilà se on termine change sur la lune de stage toujours au deuxième round mais le, en cas d'égalité ça se règle toujours sur la lune ça règle sur la lune en cas d'égalité c'est bah, en 3 oui c'est en 3 bien sûr ah bon il y a du Saverdier c'est combo. Jusqu'à la fin de toute façon là. Oh là là! On dirait que les statues peuvent être détruites, non? Mais t'as vu ces setups de l'enfer là qui Non, c'est pas détruite, hein! C'est dommage! C'est des lions, je crois! On dirait qu'elles sont incrustées pour être détruites! Non, elles sont setup à la relevée! Indestructibles! T'as les setups de vortex. Son putain de grinder! C'est bourré le verdi! T'as vu les setups à la relevée? Ça sort des cross-ups chelous! Ouais! Bien joué! C'est vrai que c'est compliqué! Pompe it up! Pompe it up!
Joe Budden. Oh, bien vu, le setup. 2, 3, hop. Ah, c'est toi qui m'as touché en anti-air. Je peux toucher là. Oh là là, touché encore. Ah, il n'y a pas de garde hein, dans le jeu, donc je vous rappelle, donc il faut tout éviter. En c'est, étant... C'est pas gênant le scrolling qui te tire vers... Ah, c'est horrible. Bien sûr que si, c'est gênant. Évidemment. Ah putain, bien joué, le contre. Le c'est, la base, c'est la base. Non. Et dans les airs, tu vois, je perds quand même un peu de Eve. Ah oh, putain, je suis ramené à chaque fois ici, c'est un dans enfer. Le Vortex Susan. Oh là là. Et là, j'ai chopé. Et ça en finit vers 2-0. Et voilà. Ah, ça pose la manette. Bien joué. Ça laisse l'animation se faire. Easy money. Je me suis fait défoncer. Gros grinder. Hein. Ouais. Gros grinder. On sent que c'est ton jeu, t'as taffé. Hein. Gros grinder. Là, il y a du taf. Là, tu vois, je peux même pas bah oui, râler, en fait. C'est inralable. Ah là là. C'est inralable. Match retour. Ça... T'es sérieux? Bah oui, depuis le temps que ça. Depuis le temps que ça... Depuis le temps que tu voulais le en foot bah partout. Bah oui, depuis tu le dis, temps tiens, que je en foot partout sur la table. Que le verre était là et c'est que pas... le fil trituré. On a 400 ans de sopalin. On va aller chercher ça. Match retour, un karaté. Oh là là, c'est pas beau. C'est pas beau. Gros match retour. Marie, c'est pas beau. Ah, merci. Merci, Mizu. Oh là là, c'est... Oh là. Fighting Masters. Il y a une version arcade ou... Non, c'est unique, que Mega Drive et un jeu difficile à trouver, hein, d'ailleurs. Hein. Assez difficile. Sorti en Europe ? Il est sorti en Europe. Jamais entendu parler de ce jeu. Sur la version gros jeu, un jeu très très technique. En même temps, Tricot, je connais pas le sujet. Je connais pas le studio, donc... Ils ont fait un jeu, c'est Fighting Masters, et ensuite après ils se sont dit on a fait le jeu parfait. C'est vrai. Donc c'était pas trop la peine de... Ah, je suis trop loin. Non, j'étais trop loin. Putain, t'es chaud, mec. Bon, là, étant donné que j'ai pas la garde, ça va être très difficile de sortir du vortex de merdier parce que tout ça c'est garanti avec ce putain de perso anti-air. De chiasse. Ah, j'arrive pas en tier, moi. Oh, ce grinder est quand même solide sur ses appuis. Hein. Il y a des couloirs. Les footsies. Faut quand même je le repars. Préciser. Ah, touché. Hop. On fait wifi. Ah là, t'arrives quand même à avoir. Ah là, j'ai pas le temps de ressauter. Ça, c'est la meilleure shop, je crois. Ouais, faut pas coller la relevée. Non, c'est pas la meilleure. Ah oh, mais d'où t'arrives à me toucher dans les airs bah, ensuite à me choper. C'est combo. Ah, j'arrive pas à te punir même au sol comme hop, ça. Le ah, cross-up qui passe. Ça me ramène il a tellement. J'ai jamais gardé un putain de cross-up. Bah, c'est normal. Il y a pas de garde. Hop, je tente pas. Ça joue safe. La solidité du champion. Ah là, ça en tire tellement bien ici. Il est tellement prioritaire surtout. Et dès que je suis dans le coin, regardez ça. C'est l'enfer. Attention. Hop. Putain, mais elle scrolling du. Entière, bien sûr. Breakdance! Ça bouffe de la vie vénère cette attaque! C'est violent. Je te jure, c'est violent. Putain, mais là, tu vois, il le prend dans les airs, ça qui me saoule. Ah, je l'ai eu quand même. Ah, mais j'ai pas le temps de venir m'approcher. Et ça, ça lui fait pas de vie hein, quand je le touche comme ça. Hein. C'est pas ça qui fait des dégâts dans le jeu. Dans le jeu, faut choper. Si tu chopes pas, tu fais pas de dégâts. Allez, ah, c'est mort. Le cross-up sur le vortex ou ça. J'arrive pas à retirer le vortex. Gros zigrut. Impossible. Hein. La domination est totale. J'aurais peut-être counter pick. Et je m'autosus. c'est compliqué, faut. Tu sens que t'es tombé sur un saumur quand même. Ah là, c'est ça. Moi, quand ce jeu à l'Evo, à l'Evo 2016. Oh, je suis sûr, il y a des mecs qui jouent en scred à l'Evo. On en parlera durant le débat. Il y a un potentiel e-sport assez gigantesque. Bon, c'est le jeu de l'e-sport. Hein. Si on joue à des chiasses totales, on peut jouer à Fighting Masters. L'e-sport n'a aucune limite. Non, t'es pas sérieux. Oh là là, je l'attente quand même. Et putain. Le beau jeu récompensé. C'est vraiment le jeu des réflexes. Hein. Faut avoir des gros réflexes. Là, je l'ai. Réflexe au quiz. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas eu de bon réflexe. Mais non, mais jamais de la vie. Oh, la je perds tellement de life. Oh, la barre que ça fait, cette chope de merde. Ah, t'es le scrolling qui se devient fou. Bien joué. Ah, j'essaie de faire des sauts, ouais, des sauts mais subtils. Tu n'y arrives pas, c'est ça ton problème. C'est un peu tiens, l'histoire peut-être du merdier. C'est vrai. Ah, il a tellement le temps de tout faire. Mmh. Il a le lightbox entière, tellement...
tu vois, j'essaye, mais il est en cross-up. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là, même baisse. En fait, les sprites, ils sont pas dégueulasses pour un jeu de 92, hein. Franchement. Mais l'animation, mon gars. Regarde-moi ce breakdance. Il y a pas beaucoup d'étapes d'animation, du coup. Ah putain, j'arriverai jamais à me retourner. Ah, ça me rend malade. Ah là, oh là. Ah, là, ça là. Rend fou ce setup. Il y a pas de garde, hein, donc. Ah, puis là. Ça sort des imbloquables. Ça oh là là, il arrive en tiers, hein. C'est ouf. Il arrive, hein, il arrive, hein. Il arrive à te baiser la gueule. J'ai touché, mais t'as vu, toi, je te hitstun pas. Hop. Bizarrement. Oh, oh oui, pas bien mal joué. Ça. Bien joué, bien joué. Bon, c'est la pire shop de l'histoire, mais. Ah, dès que ça scroll verticalement, le jeu, il en peut plus, hein. C'est horrible. Et il se baisse tout seul, mon Zygrund. Tu vois, il saute, et ensuite, quand il retombe baissé, du coup, ça donne un coup baissé. Et là, je suis mort. C'est bon. J'ai encore un espoir. Oh putain, mais jamais il prend les coups. Putain, hey. Jamais il prend les chops, c'est gueule. Allez, ça me dégage, ça me fout le camp. Bon, on peut dire que Karaté est quand même champion de Fighting Master. Ouais, mais ça, incontestable. Le champion incontestable. Mondial. Hein, incontestable, incontestable. Et incontesté. On zigrune dès là. Ouais, hein. Bah c'est ça. J'aime bien ce petit silence de mort, de cathédrale, j'ai envie de dire, quand la win s'installe, quand le non-match est total. Tu vois, il n'y a jamais eu de hype parce qu'il n'y a pas besoin, Verdier. Tu sais que tu as été dominé dans tous les secteurs de jeu. Donc, limite, tu n'as aucun regret, tu n'es même pas guaqué. C'est ça. Tu n'es même pas guaqué parce c'est que ça, tu ne peux que reconnaître le talent. Exactement. C'est ça, en fait. Tu vois, on arrive à un stade où là, on sait que c'est pas au pif, ça a joué sa vie sur le jeu, ça s'est buté et il y en a un. Voilà, comme ils disent dans le chat, à cause de ton non-skill, on n'aura même pas vu le stage de la Lune. Quoi. C'est vrai, ouais. J'aurais voulu, offrir un peu de... On n'a même pas vu mon main. Ouais, je sais, l'écart est total. Et le Guac aussi. Je suis déçu. Bah, voilà. il fallait bien, c'est le jeu, c'est son jeu, fallait bien mettre son jeu aussi. Mais je pense que personne a tenté un Team Verdier sur ce jeu. Non, je pense pas. Enfin, ceux qui ont tenté un Team Verdier. Personne n'est assez fou. Ceux qui ont tenté un Team Verdier auraient eu tort. Très clairement. Il y en a. Ah, il y a eu des Team Verdier quand même. Sur Fighting Masters ? Non. Ah oui. Non, c'est pas possible. Si, il y en a un. Là, j'ai le Twitter sous les yeux. C'est son émission, c'est son jeu. Ah non, là, les gars, quand même. C'est trop. Bon, est-ce qu'il nous reste un peu de temps ? Parce qu'il y a une revanche à Micro Machine, en fait. Il reste un peu de temps. Non, il nous reste combien de temps ? Une demi-heure. Combien ? Un peu moins d'une demi-heure, 25 minutes. Eh ben, en revanche, sur Micro Machine, mon gars, ça suffit. Bon ? Et c'est... Non, tu vas affronter Kelly. Joue avec Kelly. Mais t'as pas affronté Kelly. Non, c'est les défis de Monsieur Karaté. Oui, bah, Monsieur c'est Monsieur Karaté qui fait les défis. Non, c'est pas obligé. On n'est pas obligé de remettre ça sur Kelly Micro Machine, c'est ton genre, moi. Je n'ai pas trop joué au 4-5. Écoute, c'est exactement pareil qu'avant. 98. Track and Field. Bah là, je l'ai pas là. J'ai plus de pouce là. J'ai envie de dire pouce, je ne joue pas. Je ne l'ai pas là. Oh là là, Verdier, ah tout non, de suite. 96, 98. Ceux qui jouent à 8 là. Exactement. Faites une single race et faites en vrai 3. Et là, on en parle pas. Tu ne laisses pas prendre son stage de chiasse. Une race de célibataire. Et ça ira. Attends, où il est mon main? Le Wopok. Oh, il est tellement magnifique. Gros Walter. Gros Walter. Les poids Walter. Les super Walter. Énorme Walter. Hop. Un personnage qui mérite, vraiment. Un personnage qui a son charisme. Un charisme... Certain. Voire un certain charisme. Je croyais qu'il avait du ketchup sur le côté. Non, c'est ça. On a du son du jeu, là, ou c'est... Sa petite languinette. Ouais, normalement, ça fait un... Ouais, c'est ça, le son il est craqué. Ah, merci. Ah, ça, voilà. Ça te fait pas un peu penser à Splatoon le son là ouais. Un peu. Vite fait. Un peu. Moi ça fait un peu penser à Picsou. Ah, on va prendre chaîne. C'est le début, ça commence par un tout. Oui, c'est vrai. C'est ça. Alors, est-ce qu'on éteint nos burnes au barbecue ? Écoute, prends un stage qui n'est pas ton stage de la vie de l'éponge que tu connais par cœur déjà.
Ouais, mais c'est un peu le stage. Il connaît par cœur. Non, il y a un stage, il le connaît par cœur. Bon, les avions, il n'y a pas les avions. Je connais pas les avions. Ah, les avions, ça va vite. Le tracé a l'air chiant. Bah, c'est rond. Est-ce qu'on est que tous les deux ou il y a les IA? C'est croix. Ça bouge tout seul, les avions, ouais. C'est bien, ça me semble. Ah oui, les avions bougent tout seul, sérieux? Ouais, ça bouge tout seul. Ah ouais? Oh, genre. Oh, n'importe quoi. Ah ouais, ça bouge tout seul, les avions. Donc, Kenny est en bleu, Karaté est en rouge. Ah oui, il bouge tout seul, les avions. Oh merde. Putain, c'est chelou les avions, j'avais jamais fait les avions. Ah si, si, vous savez. Ah voilà. Ça joue des coudes. Oh non, c'est trop dur quand t'es trop ouais, haut. C'est chaud, oh c'est là chaud. Là. Oh là là. Ah, mais ouais, c'est vrai qu'il y a les freins, je suis bête, il y a les freins. Il faut pas être en tête en fait, tiens. Voilà, tu vois, si t'es en tête, tu perds en fait. Oh t'es tard. La défaite. Dans le salaud. Ouais, bon, faut savoir jouer des coudes. On va sortir des strats, on va sortir des strats. Ah, quand t'es devant, c'est pas bon, c'est pas bon. On pourra pas tourner à temps. Oh, bien joué. Oh là là, mais oh, magnifique anticipation. Superbe. Les petits freins, petits dérapages contrôlés. À la Mario Kart. À la marocaine. Magnifique anticipation. Oh voilà. Non, bien easy joué. Win. C'est vrai que les avions, ils sont vachement chauds. Ouais, parce j'avoue, que... j'avoue. C'est le niveau de l'éponge, ton ah bah oui, stade de la vie. C'est le stage de la vie. Non, parce qu'il y a un petit mind game sur l'éponge. Carrément. C'est ça qui est stylé. Splinter Panic. Ouais, c'est pas terrible les avions en vrai. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ça va, t'as quand même gagné avec. Hein. Ouais, non, les avions, le fait qu'ils bougent tout seuls, c'est très déroutant en fait. Midi. Ah oh, bah ça s'appelle Midi Mayhem. Midi les zouzous. Ah, t'as pris Cool Chain, j'avais même pas vu. Bruno Lopez, de son vrai nom. Bruno Lopez. Oula, ah bah oui, là on est sur le barbecue. Eh bah, oui. Fallait ah passer ouais. Sur les saucisses, non? Galette saucisse. Ah ah. Oh là là. Oh merde. Oh non. Ah. On va revenir tous les deux en plus. Tiens. Oula, embrouille. Oh mais non, voilà. Mais non, mais non, mais non. Hey, hey, hey. Ouch. Hop. Hop, easy money. Oh, oh putain, oh, cette là, victoire qui veut rien dire. La flamme bleue, la flamme cuche. Oh. Ah d'accord, okay. Défends-toi, Kelly, allez, défends-toi. On va essayer de sortir le gros jeu. Ah. Oh là oh, non, oh, non, pas le barbecue. Oh, non. Elle est baisée. Oh, là, oh. Il est baisé. Oh, là, là, ça veut rien dire. Attends, le truc où je suis censé passer m'a empêché de passer. C'est micro-machine, hein, t'es devant, t'as perdu. Hey, hey. Ah, oh, bien joué. Oh, la sur baisse. La frame. Oh, oh, non. Oh, yes, papy, jeu de jambes. Hop. Tranquille. Oh là là. Tranquille pas. Ça s'échappe. L'échappée. L'échappée lyrique. Oh là là. Oui, je passe. Pas. Je passe. Pas. 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 Verdi, est-ce que tu es subjugué? Je suis complètement happé. Oh là là, mais à chaque fois j'arrive à taper pile puc poil le point. Puc 1, Kedy, puc 1. Allez, puc un dernier. Et il y a un partout. Un, oh, bien joué un. Ça. Ah, bien joué. Il m'a envoyé sur la saucisse. Les saucisses de Frankfurt. Oh là là. Ça tue ça. Oh là là là. Gagne. Putain, la biaiserie. T'as le sale stage. Ah, bien vu ça. Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Je suis un peu devant là, merci. Ouais, merci c'est patron. Cette épingle la nourrice est complètement difficile. Ouf. Ok, dis bien anticipé. Tu l'as devant. Ah là là, bien vu. Ça c'est un bel exemple d'être devant et de gagner. Hein. Kenny, il lâche rien. Ah non, mais je lâche rien. Attends, faut tourner. Oh, il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas. Oui oh. Ah bah oui, c'est la fin des tours. C'est la fin. C'est la fin des tours, bien joué Kenny. Un petit mot. Eh bien, j'ai su faire la différence avec une bonne maîtrise de mon volant et de mon accélérateur. C'est parfait. Je suis bon très content. Moment, au bon moment. Je fais des bisous à mon coach hein, qui me regarde et tout ça. Et merci à la famille et tout ça. Et tout ça. C'est vrai que c'est des jeux qui vieillissent pas quand même. Hein. Ah non, mais à 8, il est pété à 8. J'ai eu l'occasion d'y jouer à 8. C'est sur Play, non? Non, non, c'est sur Mega Drive. Il faut le multitap. Waouh. Avec. En fait, c'est deux manettes. Une manette pour deux. Putain, la violence. Donc en fait, t'en as deux qui jouent avec les... Il n'y avait pas une cartouche avec le multitap intégré dedans? Ouais, en fait, c'est ça, c'est la... oh, il y a le multitap ouais, dessus. Et quand donc t'en as un qui est sur... Et quand les mecs tirent sur la manette, et bah ça baisse le jeu. Mais en fait, quand tu joues à 8, t'en as un qui joue sur les croix, et l'autre qui joue sur les boutons, et ça accélère tout seul. En fait, t'as une touche pour freiner, je crois que c'est la flèche du haut, flèche du bas, et A ou B pour les...
Driller. C'est assez pété. Driller killer. Par contre, il faut des manettes qui marchent bien. Driller killer. Au pif. J'ai même pas regardé le tracé. Tiens. Ah, je pense que le tracé, ils s'en foutent complètement. Ah, elles sont lentes, celles-ci. Hop, hop, hop. Ah, merde. Non, tu peux attendre de revenir. Tu vas récupérer. Ah, purée. Il y a une petite fin de... Ouais, la petite perceuse, elle est un peu chez sale. Merde. Voilà, moi, j'ai fait une sorte de... Ouais, mais comme t'as le mind game de la... Hop, s'il te plaît. Et dis pas de... Hein. Bien joué. On joue entre gentlemen. Ah non, il a pu récupérer sa VMAX. Et là, c'est toi qui es mal Kedi, en fait. Ouais, ouais, t'as raison, t'as eu raison de freiner. Il faut, bah, c'est du mind game avant tout. C'est du mind game. Allez, ouais, ça bouge pas trop. Non oh, là, là. Oh, oui. À chaque fois, l'accélération qui est pas bonne. Il reste que deux tours, je sais pas où est-ce que tu peux créer la différence. Ah, karaté, va essayer. Oh là là, c'est tellement bien pensé. Hey, ça, c'est joué, hein. Ça, c'est joué. Ça joue sa vie, hein. Là, on sait on va essayer de sortir le gros jeu, on va essayer de sortir le gros jeu. Tout droit, de toute façon, là. Je sais, si tu le fous pas, si tu le vois pas en l'air, il va te démolir. Faut que tu le sortes. Ouais, t'as appris le tracé, mais là, regarde, il est en train de... Ah, voilà, putain, mais non. Il t'a baisé. Oh, la peur de gagner, bien française. Mais t'as gagné quand même, t'as plus de points, là, je pense, sur la fin. Hop, hop, hop. Oh, merde. GG. Ils auraient pu donner un petit point, comme je suis arrivé devant. Il a gagné quand même Team Karaté, hein. Imbattable, sur Micro Machine. Ouais, sur Micro Machine et Fighting Master, t'es intestable. Je toi, t'aurais dû faire en 3 contre j'aurais moi. J'aurais dû, hein, j'aurais dû. T'aurais dû, t'aurais gagné j'aurais aussi, dû. Je te dis. Bah oui, mais c'est parce que je savais que j'allais gagner que c'était pas la peine. Ah, le sale moi, je fais ça, c'est pour toi, moi, je veux pas... Le sale moi, tu ne vois pas quand on veut te rendre service, Verdier, c'est ça ton problème. Je ne veux pas t'infliger comme ça, mon des potentiel boucan. C'est vert. Comme ça. Tu peux être tellement des patates des fois, sans déconner. Prends le micro. Non, t'as perdu 2-1, là. C'est mort. Par contre, si tu veux, tu peux le prendre sur un autre jeu. Parce qu'il nous reste encore du temps. Et ça, c'est moi, bon. Je veux bien tenter une revanche sur le jeu de foot. Sur le jeu de foot contre Kedi? Ouais, contre Kedi. T'es en mode football? Il reste un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est football. C'est jouable. Bon, bah, un quart d'heure, mais c'est quoi le match là qui a midi? C'est pas l'Espagne qui joue? C'est possible. C'est à 15h. Donc l'Espagne, ils sont jaunes ou rouges. On pourrait faire un genre de tu vois, simulation. Comment ça? Bah, on voit que on joue le match qui va être joué à 15h. Ah ouais. Bah oui. C'est Espagne contre qui? Je sais plus. Bah, le chat va nous dire. C'est Espagne contre la République Tchèque, je crois. Les Tchèques? Ou alors? Bon, alors là, j'en sais rien du tout. 15h Espagne, voilà, il y en a un qui est d'accord. Donc il répète ce qu'on savait déjà, ça c'est bien. Merci Steve Silva. Ouais, République Tchèque. Ah, la République Tchèque, d'accord, ok. Je crois pas qu'il y ait l'équipe dans le jeu. Non, mais on peut trouver une équipe rouge et jaune contre une blanche et... Et c'est quoi? C'est blanc, la République Tchèque. Blanc ou rouge, il joue? Je sais pas. Je t'avoue. C'est en plein écran, vous êtes prêts? Session d'intro. Gros jeu. Bro Striker Final Stage, hein. Évidemment. Le son Balacharade. Le son bat la charade. 95, hein, le jeu, quand même. Hein. Ah, ça sort les 90. C'est toi qui dois appuyer sur start, je pense. Ouais, c'est toi le player 1. Player 1. C'est toi le player 1. Ah, je vais pouvoir commenter un match de foot. La séance de pénalty, elle veut rien dire, alors, si tu vois où le mec mais, peut tirer. Mais je crois que les pénalty en penalty oh, kick... Ça gagne. Karaté est en train de refaire son retard. Bon. Attendez. Ça win-quit ou pas, alors? Non, il n'est pas très bien, il n'est pas très très bien. C'est quoi qu'on met comme... Alors, PK, c'est les tirs au but, mais c'est en haut à gauche le free match. Voilà, ça, c'est le free match. Voilà. Prends ça. Là, à deux joueurs, voilà, parfait. On peut jouer à 4. On peut jouer à 4. Oh, mais c'est le jeu de la vie, en vrai. Bon, on va sortir alors, les vrais. Alors, c'était qui contre qui? Espagne contre quoi? Espagne contre... Tiens, c'est l'Espagne, là. Attends, ils sont où? Les rouges? Non. Attends... Ça ressemble pas trop. Lui, ça fait l'Espagne. Lui, c'est l'Espagne. Et il joue contre qui? Non, c'est la République Tchèque. La République Tchèque, ils sont quoi? Ils sont bleus, les Tchèques? Ils sont blancs, non? Blancs? Pas blancs? J'ai vu comme il y a que... Le mec, tout à gauche, c'est quoi? En haut, tout à gauche? En haut, tout à gauche, vas-y. Kenny, fais voir. Ils vont te mettre un micro-main. Et Italie-Belgique aussi.
C'est rouge ou blanc les tchèques? Rouge ou blanc? Mais tout à gauche, là, c'est un potentiel de... De Tchéquie? De Tchéquie, ouais. Regarde tout à gauche, qui est dit un peu si c'est la Tchéquie. C'est toi qui a... Ah, toi, t'as validé, toi. C'est toi qui a pas validé, en fait. Ah, t'as pris les jaunes? C'est bon, on m'entend bien, là? Ouais. Mais c'est toi qui a pas choisi, en fait. Bah oui, moi, je voulais faire... Bon, bah, on fait Espagne-Espagne, en fait. Espagne-Espagne. Attends, Bah voilà, mais ça, c'était les Tchèques. Bah, prends les Tchèques. D'accord, vas-y. On va dire que c'est les Tchèques et les jaunes, c'est l'Espagne. Non, le player 1, c'est souvent Ryu, hein, donc ça devrait gagner. Tu penses? Ouais. Allez-y, validez avec start. Ils auraient pu mettre un taureau pour Donc pour là, l'Espagne. Le nombre de minutes, le stade, vous prenez stade 1, tout est validé. C'est quoi les boutons, alors? Les boutons, ça, c'est le tir, ça, c'est la passe, et ça, c'est le centre. Voilà. Ouais. Et t'as tout. Et t'as absolument tout. Donc là, c'est le premier truc tout en haut à gauche, moi, c'est validé. Tu fais start, ça valide, ça valide tout. Moi, je pense que je vais appuyer start. Hein. Start aussi. Le stade est ambiancé, incroyable. Les Ressol affrontent les Antlers. Les fameux Antlers, hein, qui ne sont pas des fourmis, d'ailleurs. Il y a du jaune partout. Voilà, donc jaune, on va dire que c'est l'Espagne. Et je suis où, moi? Et rouge, c'est la Tchéquie. La donc Tchéquie, toi, jaune, c'est toi, tonton? Non, toi, t'es rouge, Donc toi, t'es bien l'Espagne. Je suis la... Ah, c'est moi l'Espagne? Ouais, t'as fait une relance un peu trop longue, là. Je suis la Roja. Récupération de Kedi. Donc ça, c'est le tir hein, pour ça la passe. Ça peut être la Belgique passe, c'est croix, aussi, hein. Du coup. Parce que cette relance au centre est immédiatement récupérée par Monsieur Karaté. Oh, bien hein. Vu. Oh, magnifique esquive. Malheureusement, il a laissé le ballon dans cette esquive olivatoire. Bah, les pieds ou... Oh là là. Mais c'est dur de récupérer la balle hein, dans ce jeu. Ouais, hein. Être centré avec la... Oh, par contre, triple tacle. Très, très bonne défense triple de Kenny qui se dirige vers le but. Le tir était d'un peu trop loin, malheureusement. Excellente passe de la tête. Oh là là. Bon, il est pas gaucher. Il était pas gaucher. Il était pas sur son bon pied. C'est pas cadré, malheureusement. Demandera à Bernard Ménez de revenir sur cette action. Il part un peu tout seul, l'Espagnol, là. Heureusement, oh là là. Il rencontre un petit cul de chèque. Arrêt du cul, hein, là. Arrêt du cul, hein, Harry le fameux. Amada. Oh là là. Le fameux. Oh là là. Alors, ce qui est très bien, c'est que ce soit les pénalties ou les tirs, eh bien, tu montres à ton adversaire où est-ce que tu tires. C'est un petit seul peu dans la surface de réparation. Kedi fait une faute de pied, faut tirer. Oh oui. Ah, malheureusement, oh là là, ça tire. Tu remarques que je ne fais pas trop confiance au gardien. Hein, je préfère me sacrifier. Et marcher sur son lacet, surtout que tu fais pas trop confiance à ton équipe. Hein. Mmh. Oh, gros goalkeeper. Non, il y avait un blessé. C'est bien vu, le fair play. On rend la balle tout de suite. La relance est un peu long. Ah, ça joue fair play. Ça rend pas la balle, ça rend rien du tout la balle. Ah, ça y est. Enfin, le jeu d'équipe va-t-il tenter un centre? Non, c'est un tir taclé. Belle intervention de la défense tchèque. La défesa. Ah, faute indiscutable. Faute de quoi? Sur la cheville. La cheville a été touchée. Franchement, là, les arbitres sont pas avec moi. Hein. Ce jeu ne me veut pas. L'arbitre contre l'Espagne. Ce jeu ne me veut pas. Throw in. Bon, encore un blessé, décidément. Que de blessés. Hop, le tir. La touche et tout ça. Il est tout seul, c'est un corner. C'est un corner parce que déviation du goal. Attention, faut monter peut-être ici dans la surface. J'ai pas touché. On se tirait bon, la tête ratée, malheureusement. La tête qui est passée à côté. On est bon. Hey. Il repart un peu tout seul, mais à ce Ben Baker pour Liviaton, Danny Melo. Oh là là, ça seul face au but. Putain, quel gardien tchèque. Élu meilleur gardien de l'année dans le magazine Czech Football. Toujours contre des mecs motivés. Ça marque pas beaucoup en tout cas. Tiens, enfoiré. Pas vraiment. Tiens, tire là. Oh là là. Cette lucarne, par contre, faut récupérer. Tiens. Mais la malchatte. Ça brûle. Il y avait le feu dans le camp tchèque depuis plus de 3 minutes. Et le but, le but est inévitable. La persévérance a payé. Ça demande une réponse de l'équipe adverse. À la défense, c'est plus dur à défendre. Faut réussir à défendre dans ce jeu. Il y va tout seul le tchèque là, un peu. Mais il donne jamais de carton. Moi, c'est rouge direct. Là, c'est rouge direct. Oui. Oh d'accord, il tire direct au but. Belle fin. Mais ça ne m'étonne pas d'échec, hein. Mais le gardien espagnol était là.
Ouais, bah, évidemment, éviter de se faire piquer la balle en passant. Défense, il est tout seul. Il n'y a plus de défense, il n'y a plus de défense. Oh, par contre, belle passe au défenseur. Finalement, la défense, c'est Monsieur Karaté tout seul. Faut faire une passe longue là. Il essaye de faire tout remonter, mais ils sont dans les arrêts de jeu. Ils n'arriveront jamais jusque dans la surface de réparation. En plus, la balle est piquée. Ça sera le dernier tir. Ça joue les fois. Dernier défenseur carton, monsieur l'arbitre. C'est la mi-temps là, les gars. Mi-temps. Il y aura un coup franc. Mi-temps au mi-temps. Le coup franc ? Oh non. C'est dans la niche, dans la niche. Et c'est terminé. Oh non ! Mais c'est quoi T'es le tag ? T'es sérieux ? Oh oui ! Magnifique ! Magnifique ! Le gardien a été effacé. Avant l'heure, c'est plus l'heure. Pendant l'heure, c'était l'heure. Mon Dieu. Après l'heure, c'est l'heure là où je sais pas quoi. L'arbitre qui siffle la mi-temps. Non, il a raison. Sur un tir cadré. Il y avait but. Il y avait but. Bien sûr, je le savais. Scandaleux, incontestable. C'est tellement scandaleux. Alors que la défense tchèque est à la ramasse complet. Terriblement à la ramasse. Oh là là. Il court pas vite en échec, hein. Il court pas vite. Oh, mais ça fait faute sur faute. Ben, carton sur l'arbitre. Un moment, c'est le carton. Il a pris le biscuit. Faut une justice dans ce monde de bruit. Un moment, c'est le carton, quand même. Ça cartonne. Un peu de justice. Il fallait que ça arrive. Ah, merde. Voilà. Ça, c'est bien vu. Allez les gars. La relance sur le throw-in directement pour les Tchèques. Ouh, belle passe. Il est tout seul dans la surface de réparation. Oh, mais ça tire dans les roues. Ça chauffe. Belle relance. Oh, le Sega Fredo là quand même. Oh, la faute. La carton direct. Oh, mon genou. Alors, l'arbitre, il est gentil. Les Tchèques sont poussés à la faute quand même par le jeu un peu d'anti-jeu du côté espagnol. En plus, ils jouent tous dopés. Ah bon, ce qui n'est pas dit dans le... Ce qui est dit dans le scénario, si tu lis le livret du jeu, tu te rends compte, ouais. Ah, tous les Espagnols sont dopés. Ah, il fallait tacler, mais belle fin de droite-gauche, là, dans l'entrée, direct au but. Oh, mais le gardien est... Ah, mais attends, mais il y a trois attaquants. Oh là 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 là. Yes. Oh là là, la défense est complètement... Yes. Trois attaquants pour zéro défenseur. Hey. Le gardien, il a fait le taf, quand même. Hein. Il a dévié, mais bon. C'est magnifique. Ah, je pense que les Tchèques se posent trop de questions, là. Tellement magnifique. Oh là là, magnifique. Le Phoenix Genmaken. Donc là, Kedi... Oh, la biscotte. Encore Mais ils ont tellement de jaune, ça va. On peut dire que le jeu espagnol est un peu musclé. Viril, mais correct. Il reste quand même une bonne vingtaine de minutes pour revenir au score. Ça n'est pas fait. Ah, les gars, ils ne veulent pas prendre le ballon. La porte du but. Mais Kedi doit améliorer sa défense. Ah, la défense est catastrophique. Une relance. Voilà. Pour relancer vers l'avant. Voilà. Il n'y a pas d'Espagnol. Les Espagnols sont tous montés en attaque. C'est bon. Oh putain, mais il faut tout ce qui se passe. Arrête un moment. Non, mais faut pas le voir comme ça. C'est dégueulasse. C'est toi qui téléphone. Ah merde. C'est toi qui téléphone. Téléphone. On coupe son téléphone quand on est sur le terrain, monsieur. Ah bon? Il se fait téléphoner. J'arrive, téléphone. Hein. J'utilise l'appel à un ami pour gagner. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. La stratégie du téléphone pour déconcentrer le pauvre Kedi. Ça sort les strats. Non, Kedi ! Oh là là ! Oh là là ! Corner kick ! Ouais, corner kick. Ton goal. Qui c'était ? Oh, c'était Samy. Ton goal a relancé. Bon, la j'annonce retourner pleine lucarne. Oh là 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 là. Voilà. Mais ok, c'était complètement Mais j'ai pas raté. Dit maintenant. Non, mais attends. Complètement raté. Attends. C'était tout seul, Kenny. T'es tout seul. Oh là là, il a sauté, tiens. Il fait 12 millions de fois et pendant ce temps, le chrono, il tourne. Non, c'est la faute utile, là. C'est la faute utile. Ouais, c'est le troisième jaune, c'est la faute utile. Troisième jaune, c'est faute utile. Non, parce que c'était pour empêcher la contre-attaque. Oh là là, c'est quoi ça? Oh là là, c'est bien vu ça. C'est la meilleure touche. Non, mais il joue au foot américain, là, il a gagné 50 yards. T'es trompé de sport, Kenny. Grave. Ouais, il fallait récupérer ça. Oh là là, ça joue les musclé. Intervention musclé. Il avait pas fait le voyage. On sent que les Espagnols lâcheront pas la balle, hein. Vu la possession actuelle, est-ce que Kedi va être poussé à la faute? Non. Il y a un Phoenix Genmaken. C'est tellement dur d'arrêter les attaquants dans ce jeu. Tellement dur, ça va tirer. Et voilà. Le gardien qui bouge pas. Oh là 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 là. Le beau jeu. C'est la fessée des culottés. il y a un mode replay. Putain, c'est pas mal ça. Je viens de voir qu'il y avait un avance rapide. Tu vois, regarde, il est comme ça, là, ton perso. Genre, il lève le petit doigt. Mais c'est terrible. Objection, votre honneur. C'est horrible, c'est horrible. C'est complètement terrible. Il a gagné le match des combats et le match des... Les persos en short, on te dit.
Allez, faut marquer au moins Kenny. Oh là là, le joueur déséquilibré. Il a été déstabilisé, on va dire. J'ai jamais vu ça. Avec 2 minutes restantes plus les arrêts de jeu, ça va être difficile de remonter. 3 buts d'écart. Mais il est tout seul. Heureusement que le gardien est là. Mais cette solitude espagnole dans la surface de réparation est totale. Il y a 12 minutes. L'IA est aux fraises. Au feu les pompiers. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite la relance, Kenny. Plus vite la relance. Faut marquer au moins un but, sauver l'honneur. Les Tchéquis, la Tchéquie. La Tchiki! L'IA est aux fraises! L'IA est aux fraises! T'étais à la réception, 3-0. Malheureusement. 3-0, bon, score final. Ce sera pas un 8-0, mais ça va. Et ça veut dire que. Est-ce que ce match est prémonitoire? Voilà, je pense, je pense. 3-0, Espagne, Tchéqui, là. Tchéqui Cario. Félicitations, tu as réussi à gagner un match. Ça fait quel effet? Ça fait l'effet d'avoir choisi la bonne équipe, je pense. t'as pris l'équipe du côté où ça marque. C'est ça, voilà. Où ça marque Ben Laden. Terrible, absolument J'avoue, terrible. Gros arbitre, on nous dit sur le chat. on va dire que l'arbitre a été soudoyé juste bien avant sûr, match. Bien sûr, un gros l'arbitre, chèque. Il a distribué jaune. Ouais, et tu t'en fous, il n'y a pas à rejouer après. Donc en les même mecs, temps, les mecs sont... Les maillots ne sont pas devenus rouges tout seuls. Hein, c'était... le sang de nos adversaires. Ah. Il y a eu pas mal de fautes quand même. Dommage qu'il n'y ait pas des statistiques. J'aurais bien aimé voir le nombre de fautes en jeu. Ouais, je pense que ça aurait été c'est très sûr beau. Il y en a eu beaucoup trop pour un seul homme, je pense, des c'est fautes. C'est un gros jeu. Et, hein. Mais il est bien le jeu, il est bien. Ouais, le jeu est vraiment pas mal. Bah, c'est le dernier jeu de G-League. Mais je trouve que c'est méga dur de récupérer le ballon quand... c'est chaud. C'est chaud. Hein. Et moi, je t'ai marqué 8 buts. Ça donc, il y a des fois, il y a des gardiens, ils sont pas là, je pense. Hein. C'est vrai que le gardien algérien... Je crois qu'il est mécano dans la vraie vie. Ouais. Donc forcément. c'est pas sa profession pas, première ça joue en fait. Alors, Mizu, du coup, qui a gagné les défis? Est-ce que tu as sélectionné des vainqueurs pour ces défis? J'ai sélectionné 4 vainqueurs, peut-être un cinquième pour après. Alors, pour le premier défi qui a voté Team Verdier, on a At Mash Sim. Ou je sais pas comment on dit, M-A-C-H-S-I-H-M. Ouais. Félicitations à toi. Pour le deuxième défi, donc c'est encore quelqu'un qui avait voté Team Verdier, bien sûr. C'est The Rose. Le troisième défi, quelqu'un qui avait voté Team Karaté, je cite, il disait je sais pas pourquoi, mais moi je suis Team Karaté. Là, oh, je suis motivé. Il est bien. C'était est Toki Pixart. Oh le mec. Le quatrième défi, donc qui avait voté Team Verdier, c'est Reapers of Abzu. Voilà, et je vais peut-être en choisir un cinquième, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Oui, oui, on a complètement vu les photos, Kyle. Je vais montrer ça à mes chers collègues pendant les la photos. Pub. Sachez que nous ferons une petite rubrique dans la matinale vendredi matin, ce sera les potins du gaming, je vais tout vous rassembler. Waouh. En mode Secret Story, le débrief, tu vois. Eh bien, nous, demain, nous parlerons donc de la Neo Geo avec une sélection des jeux Neo Geo. Je peux vous spoiler un peu ce qu'il y a comme jeu, là, ici. Qui a le 3. Qui a le 3, oui. Pour honorer... Il y a eu des nouvelles images d'Injustice 2, moi j'attends beaucoup d'Injustice 2. On verra, sûrement. Sur baston. Il y a Capcom, ils doivent pas annoncer des trucs aussi. La feuille est dégueu, c'est GO2 qui a mis du café dessus. Il y a Injustice surtout. C'est Injustice 2. C'est surtout Injustice 2 qui sera là et après, on verra. Xenoverse 2 peut-être. Xenoverse 2. Ah bah oui. Ah oui, il faut qu'ils rajoutent la classe cyborg qu'on puisse faire à râler dans le jeu. C'est vrai. Ça veut rien dire qu'il n'y ait pas la classe cyborg. De quoi? Bah, tu sais, dans Xenoverse, c'est toi qui crée ton perso. Ah ouais, je vois ce que y tu veux dire. Il y a les Boo, il y a les Namek, il y a les Saiyans. Ah oui, t'as raison. Il y a les humains. Il faut une classe. Il faut ajouter la classe cyborg. Ouais, que j'avoue. Je puisse faire ma râler. D'accord. Bah oui, c'est important. Très, très important. Il y a les Freezer aussi, je crois. Ouais. Ils ont tout fait sauf les cyborgs. Une classe de plus, ça peut être pas mal. Donc demain, on parlera donc de Battle Flip Shot. Tu connais Battle Flip Shot, on en a parlé. De Money Idol Exchanger. Tu connais Money Idol Exchanger? Je connais le nom, mais j'avais essayé, j'aime Magical pas. Magical Drop. C'est différent. C'est un Magical Drop où il faut regrouper de la monnaie. C'est un peu bizarre, personne ne peut jouer à ce jeu-là. Pop and Boons, tu connais Pop and Boons? Un arcanoïde en Versus. Ouais, c'est, d'accord. Tu vois, c'est stylé. Stakes Winner 2, qui est un jeu de cheval. De cheval, ouais. Donc ça, c'est le jeu de cheval, ouais. D'accord, c'est le jeu de cheval. Et le jeu de foot sera Neo Geo Cup 98. Dernier jeu de foot sorti sur Neo Geo. Chef d'œuvre. Je ne sais même pas ce que c'est, jamais joué de ma vie. Pareil, mais chef d'œuvre. Donc, va encore y avoir du football, il va encore y avoir des défis, il va encore y avoir tout bien ça. Bien sûr, bien sûr.
Merci beaucoup, eh bien, à toi, Kelly, d'être passé. On te retrouve ce soir sur le débat Nintendo, c'est ça? Ouais, normalement. Avec moi, je crois. Ouais. C'est à minuit, c'est ça, le débat? C'est assez tard, ouais. Bah, on peut pas faire un petit tour du planning, là, avec tout à fait. La régie? Juste après, vous allez retrouver surtout le journal de l'E3. Anagoun est déjà là, il se prépare. Il va nous dire tout ce qui s'est passé ce matin dans les jacuzzi des villas à cette E3. Et moi, je vous retrouve juste après. Et t'as mis Mario Kart d'ailleurs dans les jeux? Cheval de Troie, oui. Mario Kart, voilà, il faut que tu viennes prendre ta revanche. Vendredi, Mario Kart vendredi. Quand tu veux, mec. Voilà. Vendredi, tu viens prendre ta revanche, viens laver ton honneur. Mario Kart vendredi, et puis voilà, on se retrouve demain. Demain, motivé, t'arrives à l'heure, toujours, 10h30 encore. Toujours pétant. Au Géo, t'es à fond, t'es pieds dedans. Tivemo. On vous laisse avec un peu de Mafia, et on se retrouve donc juste après avec Anagoun et le journal de E3. La famille. Bisous.